On est bon. Y a mon chat qui s'est assis sur mon siège. Je peux pas jouer. Et Guy, je vais pas pouvoir jouer en fait. Il faut que tu t'en ailles. Et Guy? Bon bah on va regarder ça sur le côté du coup. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là du coup. Bonsoir. Est-ce que c'est trop fort le jeu? Y a moyen. Un peu fort. Je pense que t'es un ouf, toi. Autant le faire maintenant, vous savez. Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Bien le bonsoir, nous t'attendions avec impatience, on trépignait. Tout d'abord, félicitations, tu as fait le bon choix en t'inscrivant à cette aventure. Bienvenue au guichet d'enregistrement dédié à la formule Évasion et le désert de Nook Inc. Et chaque chose en son temps, laisse-nous faire les présentations. Je suis Mélie. Un peu trop fort? Ok. Putain, il casse les couilles le chat, hein? Mais j'ai pas envie de le dégager, il est mignon. Là, ça devrait aller du coup. Et je suis Mélo. Mais ça fait Méli Mélo, c'est impressionnant comme. Nous allons t'accompagner sur l'île pour t'aider à t'installer. Considère-nous comme tes compagnons de voyage. On va faire un bout de voyage ensemble. Commençons. Pour donner ton inscription, il nous faudrait ton nom et ta date de naissance. Y a pas de problème. Mon nom. Je vais m'appeler Thomas. Vous savez? Je vais pas m'appeler Link, je vais m'appeler Thomas. Pour un maximum de chill. Il a fait un wiggle? C'est moi ou il a wiggle? Vous l'avez vu? Je crois qu'il a wiggle. Ok, Thomas. Je vais m'appeler Thomas. Je suis né le 8 janvier. C'est bien ça. Thomas, Thomas, voyons voir. Yes, ils ont trouvé mon billet. Saved. Il nous faudra une photo de toi. Je vais faire mon personnage. Je serai un villageois. Alors, oh là là, la pression. Déjà la pression. Non, en vrai, ça va. On va s'en sortir. Je suis daltonien. Quelle couleur de peau dois-je prendre? Moi, je suis un peu pâlot, hein, comme monsieur. Je suis un peu comme ça, je pense. Et au niveau de la coupe de cheveux. Oh là, quel bon élève! Il y a des coupes de cheveux. C'est drôle parce qu'on peut se mettre des coupes de cheveux de femme sur un homme. On peut tout faire, on peut mixer. Bon, alors moi, ça c'est plutôt moi, mais ça c'était au lycée quoi. C'était un peu plus au lycée. Aujourd'hui, on pourrait. Ouais, mais non. C'est pas possible. Je crois que je vais devoir me diriger vers ça, hein. En plus tard, j'aurai plus de choix, effectivement. Donc je pense que pour commencer, on va devoir. Mais après, j'aurai plus de choix. Mais là, pour commencer, il me semble qu'on doit partir là-dessus. Donc je reste là-dessus. Moi, j'aime bien. Ça me fait un peu rire ceux qui ont les yeux écarquillés, j'aime bien. Mais je vais quand même regarder. Oh là là, par contre, les yeux, il y en a un. Ouais. Alors lui, il est complètement torché. Ça va pas du tout. Lui, il est pareil, il est torché. Lui, il me fait juste peur. Il fait juste flipper, en fait. Vous faites flipper aussi. Lui, ça reste quand même mon petit préféré, en vrai. Hein. J'aime beaucoup ça. Alors lui, il fait peur. En vrai, ils font tous peur. Ils sont. Oh là là, l'angoisse. T'imagines, t'arrives sur l'île de quelqu'un. Et t'arrives comme ça. Moi, je laisse pas rentrer. Hein. Merci Hiroshima pour les 500 bits. Merci Sylvanas, Madog, Raikosor, Sipora, Zuluz, Quangin,
Whiteberry, Allen Girl, Banano. Merci pour les 5 euros. Moi, je vais partir sur. Je vais partir là-dessus, moi. Avec des yeux. Y a pas des yeux noirs. Je vais aller là-dessus. Je vais aller là-dessus. Ah, le nez, c'est extrêmement important. J'ai cru comprendre le nez quand même, hein. Moi, j'irais bien vers le petit nez rond. Ou triangle. Pas carré. Pas carré. Triangle, c'est pas mal en vrai. C'est bien, triangle. Et un sourire discret. Je pense. Un sourire. C'est quelqu'un de discret. Putain, alors. Y a, franchement, c'est un des quatre choix. Et ça, c'est extrêmement drôle. On peut pas avoir l'air plus con en fait. Genre vraiment, c'est. Celui-là, je l'aime bien. Voilà. Ça te convient comme ça? Ça me va. J'aime pas mes vêtements. Attends, pas encore. J'aime pas mes vêtements. Non, pas de. Non. Non, c'est bon. J'aime pas mes vêtements, mais je. La bouche est grave validée. J'aime beaucoup. Ouais, moi j'aime bien ce gars-là. Faut juste lui changer ses vêtements. J'aime pas trop les couleurs là. Mais on va s'en occuper plus tard. Ça te convient comme ça? Tu pourras changer de style plus tard. Très très bien. Tu fais peur, un petit peu. Parfait. Eh bien, je crois que tout est prêt. Oui, tout. Je vais ajouter cette photo à ton dossier. Passons aux choses sérieuses. Parlons de ton nouveau chez toi où tu vas habiter. Ouais, vas-y. Tu vois, on n'est pas peu fier du travail qu'on a abattu pour que tu te sentes à l'aise dans ta nouvelle vie. On rappelle que c'est un jeu vraiment qui est très compatible avec le. C'est pour ça que tout le monde l'attendait, hein. Très compatible avec le confinement. On va prendre l'avion, on va aller voyager. Voilà, c'est. Ça retire un poids quand même. Ça fait du bien. En fait, si tu veux, même les saisons peuvent être celles auxquelles tu es habitué. On a des îles dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Un conseil, ton île devrait avoir les mêmes conditions saisonnières que ta maison actuelle. Les mêmes. Alors dis-moi, Thomas, où habites-tu en ce moment, là, maintenant? J'avoue. J'avoue, j'habite en Europe. Je vais pas tricher. Mais après, il y a des vraies strates. Genre, si t'as un pote qui est dans l'hémisphère sud, qui cheat en se mettant dans l'hémisphère sud, tu peux grave rusher les objectifs, là. Hein. Faut se le dire. Hein. Mais bon, moi je suis en Europe. Rien que pour les fêtes et tout, ça va être important. Excellent. En tenant compte de ces informations, on va pouvoir trouver l'île idéale pour toi. Je vais dans l'hémisphère nord. Ah, ma copine, elle est dégoûtée parce qu'elle est au Canada. Et elle doit attendre minuit. Elle doit attendre minuit. Donc dans 5 heures. Pourtant, elle l'avait pris sur leur store français. C'est pas normal, ça. Si tu l'as pris sur le store français que ta console est française, pourquoi ils. Comment ils savent? Si ton compte. Si ton profil est réglé en région Europe, et que ta console vient d'Europe, et qu'elle est paramétrée sur Europe, ça passe pas? C'est le Wi-Fi? Ah, ça marche avec le Wi-Fi? Enfin, l'IP? C'est un délire! Ah, c'est dur. Ah, ils sont trop forts. Ah ouais, ils sont forts quand même. Bien sûr, votre proposition me va très bien. Ah, c'est dur, Clémentine, là. Je suis triste pour toi. Toutes nos îles ont approximativement la même taille et sont pour ainsi dire vierges. Alors ne te soucie ni de la place ni des commodités, il n'y a pas de mauvais choix. Vous avez entendu le chat? Pas de mauvais choix. Suis ton instinct et choisis-en une dont la topographie te plaît. Je vais suivre mon instinct, le chat. Vous n'allez pas critiquer mes choix. Je vais te montrer plusieurs cartes et tu vas choisir celle qui te correspond le mieux. Alors on va quand même. Donc il y en a quatre. Alors,
Alors moi j'aime bien celle-là. Instinctivement, je sais pas pourquoi. Celle-là me plaît. Parce qu'il y a une très grande zone de verdure. Genre... un peu plus loin des routes. Il y a une espèce de grand... Sur les autres maps, les routes, elles sont... Enfin, vous voyez, sur la première, j'aime pas du tout. J'ai l'impression que la route est trop présente. C'est trop partout dans l'île. Un peu pareil celle-là. Il y a des petits bouts un peu partout. Là, je trouve qu'il y a quand même un espace tranquille. Et moi, vous voyez, je peux pas vous montrer, mais vous voyez, en haut à droite de celle-là, c'est là que je me verrais. Une petite cabane à l'abri. C'est de l'eau. Mais c'est vrai que c'est moi qui dois faire les routes. Quel enculé! Non, mais c'est très bien aussi, pas de problème. Attends, par contre, si c'est que des routes. Alors attends, ça change tout. Mais j'aime toujours celle-là, pour une certaine raison. Parce que moi, non, je me verrais toujours en haut à droite de celle-là. À droite de la rivière. Je me verrais là. À la fois près d'une forêt. Enfin, je sais pas si c'est une forêt, le vert clair. À la fois près de la plage à droite. Et à la fois près de l'eau. Je la trouve très bien. On va aller en haut à droite de cette île. Je suis mon cœur. Juste avant de partir, si tu en pouvais emporter une seule chose avec toi sur une île déserte. Qu'est-ce que tu choisirais? Qu'est-ce que tu fais, Guy? T'es chiant. Un sac de couchage, une lampe. Alors, une lampe, c'est sûr que non. Un sac de couchage. Je ne pense pas. Peut-être pas. De la nourriture. Non. De quoi m'occuper? Du PQ. Je dirais soit un sac de couchage, soit de la nourriture. Des pâtes et du PQ. Vous êtes con. Moi, j'aurais dit un petit sac de couchage parce que c'est toujours réconfortant de dormir, de bien dormir. Et puis de la nourriture, on va en trouver. On est des débrouillards, nous. On est des débrouillards. Moi, je dis sac de couchage. Intéressant, très intéressant. Pardon. Tous tes besoins de première nécessité seront pris en charge par Nook Inc. Alright. Votre attention s'il vous plaît, voici un message d'intérêt général. Le vol affrété pour la formule évasion île déserte de Nook Inc. est prêt à l'embarquement. Les passagers concernés sont priés de se présenter à la porte d'embarquement. On y va. Vraiment trop mignon ce jeu. Bonsoir tout le monde, merci d'avoir. On se détend et on regarde. Mais je l'ai déjà vu sur internet cette vidéo. Quel plaisir on va prendre. C'est très doux comme jeu, ouais. On va prendre un sacré plaisir. Ça va être bien. Ouais! 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 Oh ouais! Waouh! Ouais! Ouais. Stylé. Ça met dans l'ambiance, on reste trop bien. On se sent déjà bien. On oublie le Covid. Ribidi. Ça manque de bière.
Mais pas con lui. Je vais chercher une bière. Bonjour. Vous y voilà. Je sais que vous devez trépigner d'impatience à l'idée d'explorer votre nouvelle île. Nous avons une toute petite faveur à vous demander avant de vous laisser partir. Ferez-vous le plaisir de vous joindre à nous pour un rapide séminaire d'initiation sur la place? Un chef bien-aimé et intrépide va faire un petit discours, vous ne voulez sûrement pas rater ça. Nous y allons de ce pas, vous n'avez qu'à nous suivre à l'aide de... On y va. Est-ce que... Excusez-moi. Attendez-moi, est-ce que j'ai le temps pour une bière? Non? Non, d'accord, j'arrive. Ouais, un bâton! Je veux récupérer le bâton! Je peux pas. Attendez, je prends en main mon personnage. C'est le moment pour une bière. Et si vous êtes gentil, j'aurai peut-être même le droit à une deuxième. Je m'en suis mis partout. C'est parti, désolé. Gertrude. Ok, donc ça c'est Gertrude, on retient. Retenez les prénoms, c'est important pour se sociabiliser. Eh hey, mais par contre, c'est moi ou ils sont tout moches là? C'est qui? Eh hey, Gertrude et machin, ils sont tout moches là. C'est quoi ces couleurs? Vous n'avez aucun goût? Ils sont aléatoires? Je me suis fait niquer par l'aléatoire, hein. Ils sont hideux. Hein. Par contre, moi, je veux changer. Hein. Oui, bien sûr, bienvenue sur votre nouvelle île. Je m'appelle Tom Nook. Et je suis le fondateur et le président de Nook Inc. Donc lui, c'est celui qui va prendre les, qui va faire les impôts et les prêts, c'est ça? C'est le banquier, si tu l'as compris. Là, il fait genre, hein, mais je crois que c'est le banquier, hein. Mais n'en oubliez pas pour autant les conditions du contrat de la forme. Tu vois, c'est le banquier. Tu sais. Pour le désactiver ou le réactiver, appuyez sur le bouton qui contrôle le micro. Ainsi, le personnel de Nook Inc. sera toujours à votre disposition pour vous assurer confort et sécurité. Attends, quoi, vous êtes 8000? Ah, j'avais lu 3000. Oh, c'est marrant ça. Parce que c'est tout petit sur mon écran, j'avais lu 3000. My bad, je pensais que c'était chill. Vous êtes 8000, d'accord. Allons-y. J'ai fait attendre 1000 personnes pour une bière. Pardon, j'y vais, je joue. C'est la première étape de la création de bases solides pour votre nouvelle vie. Vous voyez les choses en grand. J'ai des relations dans les domaines de la construction, de l'habitat. Commençons par une simple tente. Ouais, moi j'aurais besoin que d'une tente là, Nook. C'est bon, mets-moi une tente, donne-moi les objectifs et donne-moi mes miles. On est venu là pour ça. Oh, ça c'est pour tirer les trucs. Tiens Thomas, cette tente est à présent la tienne. Extra stylé, on va s'installer. Une fois que tu as trouvé l'endroit idéal, appuie sur X pour ouvrir ton inventaire. D'accord. Je vais appuyer sur X. Ok, assez de place. D'accord, c'est noté. Une carte, c'est noté. La pression est énorme. Ça marche. La pression est énorme. T'avais un truc à me dire, Mélie? Ouais. Sur la plage. Non, moi je vais pas sur la plage. J'adore la plage, mais j'aime plutôt la regarder. Quand je vais dessus, en fait, j'aime bien la plage. Mais quand on se mouille les pieds et qu'on a du sable entre les doigts de pied, moi ça me pose un grave problème.
J'ai un grave problème avec ça. Alors attends, comment on passe Y a pas de pont là? Y a pas de pont là? Je vais les niquer. Moi je veux aller à droite là, à l'abri de la civilisation là. Je vais vous. Tu peux pas. Mais c'est là où je voulais m'installer. Je voulais. J'ai des cerises. Récupère-les. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas. Putain. Oh non, je peux pas. Il faut contourner. J'essaye. Mais là, je pense pas que je vais pouvoir. Parce qu'en fait, le relief, tout ça. Ah, je suis deg. Tu pourras après. Je pourrais déplacer ma tente. Ah, je suis deg. Je me suis fait avoir. Non, pardon. Du coup, ma carte, c'est sûr. Non. Ma carte, je l'ai ouverte tout à l'heure. Redonnez-moi ma carte. Juste vite fait. Non, bah d'accord. On va devoir s'installer temporairement de manière totalement exposée au monde. Ah, je peux sprinter avec B. Cimer. Ok. Bon, on va se mettre. On va quand même se mettre là. On va se mettre là. Je trouve ça très bien ici. Ça me semble. Attends, je check un peu. On est près des ressources, on est près de tout. Parce que là, il y a. J'aurais pu mettre là aussi. Y pour ramasser. Non, pas encore. Ah oui, d'accord. Quand on s'arrête, on a la carte. GG à vous. Ouais, on va se mettre. Non, sur la carte, il n'y a pas de pont. Pas encore. On va se mettre là. Voilà, on est bien là. Ok. Tente! Construire ici. Ouais. Et si par exemple je voulais la mettre là, il dirait quoi? Genre si je voulais être incroyable et c'est trop près de l'eau. Ouais, c'est ça. C'est ce que je trouvais ça sympa, mais bon, du coup ça marche pas trop. Mais c'est bien ici. La cascade, c'est très joli. Non mais je sais, mais comme ça. Non, c'est pas pixel perfect. Imaginons. Je peux. Non, je veux juste déplacer d'un cran. Non. Bon, quoi que je peux passer derrière, c'est bien. Oui, c'est bien. Je peux passer derrière, c'est bien. Ça me va. J'ai une tente. J'ai juste une tente. J'ai pas de courrier. Non lu, colis, résident, ami. Ok. Est-ce que maintenant je peux ramasser ça? Attendez, y'a mon chat qui spam de miaulement. J'essaie de comprendre pourquoi. Je sais pas ce qu'il veut. C'est compliqué. Tom Nook a encore besoin de toi. J'y vais. J'arrive. J'arrive, Tom. Je suis là. Je suis là, Tom. Ah, Thomas. Je conclue de ta mine réjouie que tu as trouvé un emplacement pour ta tente. Tu es le premier. Les autres doivent encore être à la recherche du coin idéal. Tu sais, je crois qu'il serait ravi de bénéficier de l'aide de quelqu'un ayant déjà exploré les lieux. Donc là, on va chercher quelqu'un. On va chercher parmi les deux moches. Ouh, les moches! Vous êtes tous les moches? Je suis sûr qu'il y a un moche qui s'est installé sur la plage, c'est sûr. Oh, pas loin. Yo, moi c'est Arnold. Tu t'appelles Thomas, ravi de te rencontrer, mon cou. Mon cou?
Il a dit mon cou? Pardon? Mon cou. Mon truc, c'est les exercices de cardio. Alors, je vais avoir besoin de beaucoup de... Je vais avoir besoin de... Qu'est-ce qu'il est chiant, je vous jure. Ce... En fait, le problème, c'est que ce chat, il est très gentil. Et des fois, il, pendant bien une demi-heure, il va commencer à faire n'importe quoi. Et c'est souvent pendant que je stream. J'ai besoin de beaucoup de place autour de moi. Je pense que cet endroit devrait faire l'affaire, mais j'hésite. Tu en penses quoi, Thomas? Alors, tu vas me trouver un super emplacement? Ouais, je vais te trouver un super emplacement. Là, c'est pas ouf. Alors, tu veux de la place? Tu veux de la place? Tiens, donne-moi ça. Tu veux de la place? Et eh ben en voilà de la place! Vue sur la mer. Après Arnold, je sais pas, il m'inspire pas confiance. J'ai pas trop envie d'être pote avec lui là. Je sais pas si je veux qu'il soit. Non, ça va, il est loin de moi quand même. Il est loin de moi. Ça me va. Je vais le mettre là. Place-le à un endroit de merde. Non, mais après, il est gentil, tu vois. Il a aucun style, mais il est sympa quand même. Eh, toi, tu veux me donner ta tente? Donne-moi ta tente. Ah non, mais lui, en vrai, y a pas de style du tout. Hein. Y a un problème de. Y a vraiment. Elle, pardon. Y a vraiment un problème de style. J'ai planté mes sardines, c'est vrai. C'est pas trop chelou comme système? Pareil, je vais t'installer. Hop, donne-moi ta tente. Ça marche. Je vais vous mettre... alors, il y a quelqu'un qui sera là. Ça va être Gertrude. Toi, Gertrude... Oui, je sais. Toi, Gertrude, je vais te mettre là. Comme ça. Non, parce que là, c'est jamais bien cette zone. On pourra venir pêcher sur la plage. Gertrude, on va te mettre là. Non, parce que les gens, quand ils arrivent, ils vont arriver juste devant Gertrude. C'est chiant. On va... Mais j'ai pas envie que Gertrude me casse les arbres. Tu me casses les arbres, Gertrude. Là. Ouais, bah ouais. Bon, vas-y, finalement, ici, c'est bien. J'installe Gertrude ici. Non, pas imaginons. Non, non, c'est bon. J'ai décidé que c'était ok. C'est parfait. Là, en tout cas, ils sont loin de chez moi. Hein. Ils sont loin de chez moi. La tente Gertrude est à présent installée. Quant à... Eh ben, ils vont être voisins. Vous savez quoi? Ils vont être voisins. Ils vont se marcher dessus. Ils vont se détester. Voilà. Ils vont se détester. Ils vont être voisins. Ils vont être ici. Ouais, ouais, je sais. Arnold? Bien aligné ici? Si près d'une autre structure, on risque de ne plus pouvoir circuler. Je vais faire du pixel perfect. Vous êtes prêts? Attention. Il voulait de la place. Vous croyez que ça va me retomber dessus cette histoire? Vas-y, vas-y, ça va me retomber dessus. Vas-y. Vous avez raison, il faut le contenter. Mais moi, il n'y a pas de place, hein. Non, dis donc, il n'y a pas de place sur mon île. Oui, c'est déjà mon île. Non, non, attends. Ouais, là il y a masse de place. Là il y a masse de place, franchement. Ouais, là il est parfait, là, Arnold. Ça va. Je suis trop sympa en vrai. Non, fais-le. Oh, bon, vas-y. Vous m'avez fait peur, vous aussi. Vas-y, je vais en faire des voisins. Ils vont se taper dessus, ils vont se détester. C'est sûr. C'est loose. Mais putain, faut savoir. Vous savez ou pas? Putain, vous savez, maintenant vous. À un moment vous me dites fais-le et après vous me dites le faites pas. C'est terrible. Bah je le fais pas, voilà. Vous avez deux avis complètement différents, je vais choisir n'importe lequel. Je vais faire ça. Voilà.
C'est parfait. Vous êtes trop relou, putain. Vous savez jamais. Tant pis. Ah bonjour, j'espère que vous avez trouvé un bon emplacement pour monter votre tente. On va passer aux choses sérieuses, à savoir une grande fête sur la place pour prendre dignement la crémaillère insulaire autour d'un feu de camp. Let's go. Va falloir d'abord rassembler un peu de matériel. Oh j'y vais, je veux le faire. Voyons. Mélie, Gertrude, Mello et Arnold s'occuperont des préparatifs sur la place, tandis que Thomas et moi irons chercher des tas de bûches ainsi que de menus victuailles. Oh, c'est parti. Peux-tu venir me voir un instant, hein? J'y vais. J'arrive. Tu vas me donner des miles? Ok, on récapitule. Une dizaine de branches d'arbres. C'est tout? Ok. Ok, lui il prend les cerises, hein. Et moi je m'occupe du bois. Edin. On est parti. Oh là là, ça va super vite. J'ai un pace. Je suis trop fort. Je prends quand même les cerises, je le nique. Il trouvera jamais les cerises, parce que je les ai prises. Il aura jamais les cerises. C'est excellent. Parce que j'ai tout pris. J'adore. Ça part sur un speedrun. Ah bah ça part exactement sur un speedrun. Moi je... C'est no chill. Hein. Hop les cerises. Oh non, j'ai pris les cerises. Elles sont toutes pour moi. Oh non. Combien? 9. Putain on est bien. 10. Et ouais, Nook, voilà, en seulement peut-être moins d'une minute trente, j'ai fini en fait. Beaucoup de succès, ouais. J'en ai 10. Et voilà. Tu n'as pas traîné, non, non. Vous avez vu? Il apprécie le... J'ai de la chance de partager cette île désolée avec un travailleur aussi acharné. Est-ce qu'il le dit à tout le monde? C'est un faux cul ou pas? Sinon ça me flotte. Passons à notre mission suivante, trouver des vivres. Ah en fait j'ai pris toutes les cerises. Ils ressemblent à des cerises, ont une odeur de cerise et ont même le goût de cerise. Donc ce sont d'authentiques cerises. Dans cueillir 6, attends le clutch. Attends. J'en avais 6. Oh je suis vraiment le boss. Oh là là là, ça c'est incroyable. J'en ai pris 6 pile. Oh là là, on a fait un skip. On a skip cette partie là. Laisse-moi te débarrasser de ces fruits juteux. Mais vas-y. Oh le clutch. Ça c'est hallucinant ce qui vient de se passer, hein. Et ça va être comme ça tout le temps, hein, ici, hein. Revenez sur les streams, hein. Ça va être tout le temps comme ça, hein. Eh ben on peut faire la fête. Par contre, s'il n'y a pas Kéké, on annule la fête en fait. Je vois pas trop l'intérêt. Quelqu'un a une guitare? Et un chien? Blanc? Tout à fait. Nous n'atteignons pas les chiffres que j'escomptais. Tom Nook. On va faire des thunes ensemble, Tom Nook. T'inquiète pas, on va faire des thunes. Comment il faut l'appeler l'île? Oh putain. Donc là c'est là où... Pour moi il faut l'appeler Boudil. Pour moi il faut l'appeler Boudil, mais on va voir. Ne manquons pas cette opportunité. En tant que premier habitant de l'île, c'est à nous de la baptiser. Parce que si quelqu'un arrive sur mon île et qu'on lui dit bienvenue à Boudil, c'est excellent. Genre, c'est fou. Ah, je vais pas mettre mon kill. Vous forcez de ouf, c'est trop facile comme blague. Vous n'avez pas cherché. Vous n'avez pas cherché. C'est trop bien, Boudil.
Attends, mais il y a beaucoup plus de place que ce que je croyais par contre. Attends, ça, peut-être que on peut peut-être Genre, je sais pas, attends. Tu peux faire des slogans, genre des trucs genre travail. Alors non, c'est pas ça que je veux faire. Ou putain, je sais plus les touches de la Switch parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à la Switch. Ah non, on peut plus. C'est bien 10 lettres. J'allais mettre travail ou ban. Genre les gens qui viennent sur mon île, tu bosses ou tu te casses, t'es banni. Ouais, c'est bien 10 caractères. Non, je crois que ça va être Bouddhi là. Ouais, vas-y, on va mettre Bouddhi. C'est bien. Parce que c'est pas très important. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des milliards de Nook Miles. C'est tout ce qui nous intéresse ici. On sera sur le Bouddhi. Parce que je trouve ce mot rigolo. Il faut aller avec son instinct, on a dit. Hein. Regardez, 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 tous ensemble. Vous êtes prêts? On va le faire avec eux. Bouddhi! Ah d'accord, mais les autres... Costoville. Non mais ok, on est pas mal. On est pas mal. Parce que l'autre avec Costoville, le mec habillé en jaune là. Non mais ça va. Ah non, il est même pas habillé en jaune, c'est sa couleur. Pardon, j'ai jugé sa couleur de peau. Je voudrais m'excuser. On a le droit d'être jaune citron. C'est... Y a aucun problème. Quelles charmantes idées. Toutes plus séduisantes les unes que les autres. Mais... Ok. Vas-y. Ok. Est-ce qu'ils vont aimer? Boudil! Quoi? Attendez, je mets mes lunettes. 250 euros. Le chétan, merci pour tes 250 euros, what the fuck. J'aime les pâtes et je suis content de kiffer les pâtes. Bah mec, t'en as pris combien? Qu'est-ce qui se passe? Merci, merci énormément le chétan. T'as remboursé le jeu que j'ai pris en avance là. Tu gères de ouf, t'es le meilleur. Merci Omega aussi qui a donné 5 euros. Mais chétan, je sais pas quoi te dire. Et on applaudit, les gens t'applaudissent, hein, c'est... Tu gères de ouf, ça fait plaisir, merci beaucoup. Puisque tout le monde est d'accord, restons-en simplement à Boudil. Ça déchire! Formidable! Le nom parfait. Je suis délégué insulaire de Boudil. Eh, hey, il m'a kiffé, Tom Nook, hein. Voudrais-tu dire un mot ou deux? Trop drôle. Vous croyez que si je commence par une giga blague, ils vont m'apprécier? Genre tout le monde va dire ah, il est très fort et en plus il est rigolo. Regardez. Ah, il est trop marrant en plus. Personne n'a réagi par contre. Il est l'heure de porter un toast. Let's go. Allez! Aboudil! Santé, Aboudil! Trop bien. La petite bière. Allez, merci à tous. Vous êtes gentils, hein? Vous êtes gentils, mais j'ai pas forcément envie de vous parler. Moi, comment on fait des thunes, Tom? C'est où les thunes? Ah, Thomas, tout va bien pour toi, hein? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo-yo, tu vas te coucher. On s'occupera du feu, sois tranquille. Je déborde d'énergie. Je m'en doutais, amuse-toi bien alors. Passe me voir avant de te coucher, j'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce qu'il y a? Donne-moi? Mais donne-moi, le connard. Ok. Alors... Ouais, t'as peut-être un truc à me...
Vous avez du travail à me donner là, j'ai envie de bosser. Ok. Bon bah les enfants, moi je m'en vais hein, je vais chercher des trucs. Je vais prendre plus de cerises. C'est mes cerises. 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 Va dormir, ouais je vais aller dormir je pense. Je peux prendre un caillou? Oh, je peux prendre des cailloux. Trop bien. J'ai juste envie de récupérer quelques trucs et après je vais me coucher. C'est tellement chill. Ouah! C'est quoi? C'est quoi? Vous avez vu? Je peux les titiller avec un bâton? Non. C'est quoi? C'est incroyable. Oh, des coquillages, j'en voulais. Trop bien. Il faut être proactif dans la vie. Hein. Avant d'aller dormir, vous voyez, je veux quand même aller chercher une branche de corail. Trop bien, trop bien, trop bien. Il nous faut des ressources comme ça. Je pense que c'est important. Hop là, ça nous servira forcément. Forcément. Jusqu'à quelle heure tu streams? Je sais pas trop. Je me suis levé à 10h ce matin. Donc on peut calculer à peu près l'heure à laquelle je vais tomber de fatigue. Ah, c'était quoi ça? Ah, c'est des herbes? Des mauvaises herbes. Bah ouais. Moi j'en prends. Ça mange pas de pain, on sait pas ce qu'on en fera. J'en prends et puis c'est plus joli sans. Je prends. 3-4 heures. Je pense, ouais, 3-4 heures, je vais commencer à faire la gueule. Mais demain, évidemment, demain, je relance un stream. Hein. Demain matin, je relance un stream. Sur Animal Crossing, évidemment. Bon, d'accord, on a pris assez de mauvaises herbes. On en récupérera plus s'il le faut. Et je vais aller me coucher. Sauf si en route, un poisson. Oh putain, c'est quoi ça? Voilà. Quand j'aurai une canne à pêche, je peux vous dire que ça, on va se le faire griller sur la plage. Ça va être fantastique. Bon d'accord, on va se coucher. Va le voir avant. Bah je suis allé voir Nook mais il veut pas me parler. Est-ce que je peux changer la musique? Non. Alors Nook, tout va bien pour toi? Je sais que tu as beaucoup à faire, alors si tu as les paupières qui font du yo, va te coucher. Mais il me redit la même chose, c'est un connard. Ah oui, j'ai sommeil, d'accord. C'est bon. Comme ça, il me parle. Comme ça, il veut bien me parler. Tu vas avoir besoin de ça. Ah, c'est ça qu'il fallait faire. C'est ton lit de camping personnel. Il suffit de le déplier dans ta tente et c'est parti pour le dodo. Tu trouveras aussi quelques paquets dans la dite tente. Des bricoles qui pourraient être utiles. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe? Merci Flakly pour les 50 euros. Je vais lire ton message immédiatement. Pour les ouvrir et utiliser l'objet qu'ils contiennent, il va falloir appuyer sur 1. Ça marche. Fais de beaux rêves, toi aussi. Cette période étant un peu compliquée, j'avais un coup de blues récemment. Curieusement, t'écouter jouer à Animal Crossing me fait un bien fou. Merci d'être un type formidable, Link. Gros bisous. C'est trop d'honneur. C'est trop d'honneur, merci à toi, Flakly. J'espère que mes multiples streams sur Animal Crossing te feront du bien. C'est fort gentil. On va ouvrir nos paquets, on va ouvrir nos paquets. Et merci pour tous les subs, hein. J'essaie de pas tous les lire, mais je les lirai tout à l'heure, je pense, pour pas trop interrompre. Pour pas sortir de l'ambiance. Oh là là, mais ça c'est trop bien ça. Attends. Attends. C'est exceptionnel. Ah d'accord, ok. Ça c'est des icônes de... Donc par exemple... Ah ça va placer devant moi. Je suis pas d'accord avec ça. J'ai effectivement envie de la placer... Alors où est-ce que je mets mon... Alors ça c'est une radio. On va placer... Le mec il se prend déjà la tête. Alors où est-ce qu'on va placer le lit de camping? Je vais le placer là, je suis bien là. Comme ça. Exactement. Bon, alors je l'aurais mis dans l'autre sens. Mais c'est pas grave. Ensuite, la lampe, elle sera
dans le coin de la pièce, elle était bien. Elle est bien là. Placée. Non! Par contre, c'est giga chiant comme système là. Y a pas un meilleur truc pour placer les objets? Parce que je vais péter un plomb. Maintien A. Ok, vous êtes les boss. Ok, après du coup. Exceptionnel. Exceptionnel. En ce moment, on entend la musique Horizon Nouveau. On éteint, on va se coucher. Allez, bonne nuit à tous. J'ai dit bonne nuit à tous. Ok. Alors, il avait dit non. Bordel de merde, je vais faire des misclics tout le temps, ça va être exceptionnel. Non. Ah, je peux plus le pousser. Ah non. Pousse. Ah, et bah nique sa mère. Bah nique sa mère. Je veux me reposer, c'était trop pour moi. Viens, Guy rentre. Allez. Je me repose. Comme tes paupières sont lourdes. Mais non! Kéké est dans nos rêves! C'est parfait! Quoi? Le monde est fait pour être exploré. La vie est synonyme de liberté. Il a raison. Croisant l'expérience d'un bourlingueur, la solitude du voyageur peut peser lourd sur le cœur. Il a tellement les mots justes. Faut se faire des amis sur la route. Un nouveau visage à chaque virage. Y'a que le premier pote qui coûte. Avec quelques copains dans le baluchon, tu partiras l'esprit serein vers tous les horizons. Quel maître. À moins que tu réveilles retard, il est temps de te lever et de partir explorer. Fais-nous une musique! Écoute d'abord cet autre refrain à propos des copains. Après tu ouvriras les yeux tout grand. La vie insulaire est comme une brise de bonheur soufflant sur le cœur. Mais sans amis, c'est juste du vent. Y a pas d'île paradisiaque au monde avec zéro pote à la ronde. L'esprit groovy, ça se vit entre amis. Mais joue de la guitare! Quand tu te réveilleras, il sera la même heure que dans la vraie vie. Oh. En attendant, le jour se lève, alors lève-toi aussi, va vivre tes rêves. Mais non, on joue plus! Quel bâtard! Il nous a juste parlé, il a pas joué. Il se fait désirer en fait. Il se fait grave désirer. Thomas, tu es là? Il fallait que je te parle de quelque chose. Prépare-toi, je t'attends. Ok, j'arrive. Par contre, je vérifie quelque chose. Est-ce que ma Switch est à la bonne date? On est bon. Non, parce que vous savez, avec Pokémon, j'ai fait des saloperies. Hein. J'ai fait des saloperies. Il est en pyjama? Ah, te voilà, j'espère que la sieste était agréable. Enfin, en guise de sieste, je crois que tu as fait le tour du cadran. J'ai tellement dormi. Je t'ai apporté quelques menus objets qui te seront bien utiles pour t'installer dans notre coin de paradis. Commençons par ce petit bijou de technologie. Oh, le Nook Phone. Excellent. On peut toujours voyager dans le temps dans cet opus. The Hollow, j'ai lu que oui. J'ai lu que oui. J'aimerais m'assurer qu'elle fonctionne, allons-y. Bienvenue. Fonctionne. Mmh.
As-tu déjà utilisé ce genre de téléphone? J'ai envie de lui dire oui, mais bon. On va essayer. On va faire le tuto. On va faire le tuto. Ah, il m'explique pas du tout. Il y en a rien à foutre. C'est ta facture. Oh le bâtard. Oh la redescente quoi. Le billet d'avion, le logement, la main-d'œuvre, les taxes et bien entendu le Nookphone. Mais tu me l'as donné? Mais quel gros bâtard! Il vient de me donner un téléphone et après il dit: au fait, 600 balles. Ça fait combien en euros? De quoi? Une monnaie permettant d'acheter biens et services à bout d'île. Mais voilà qui ne résout en rien le fait que tu sois en soi totalement dépourvu. Je sais. Ne t'en fais pas. Je t'ai préparé à ce temps-là. Tu as la possibilité de régler ta formule évasion en miles plutôt qu'en clochette. Et c'est là que j'interviens. Car je vais avoir tous les putains de miles que possède Tom Nook. Il s'agit d'un programme de fidélité extrêmement pratique que j'ai baptisé programme Miles Nook. Excellent, ça part. Des miles. Une invention révolutionnaire, si je puis me permettre. Grâce au programme Miles Nook, tu engranges des miles rien qu'en menant ta vie à bout d'île. Bien entendu, plus tu profites de la vie insulaire, plus tu accumules des précieux miles Nook. Il te faudra débourser 49 800 clochettes, mais grâce à ce nouveau service, crois-le ou non, il ne t'en coûtera que 5 000 miles. Mais c'est vraiment un gros bâtard, c'est le pire Tom Nook, hein. Genre vraiment, il a ce petit côté. Voilà. Ouais, vas-y, je te paierai en miles. Ok, on va aller voir nos miles sur le téléphone. Ça marche. Merci pour la facture. Hein. En fait, il est vraiment pas venu me dire bonjour, il est juste venu pour la facture. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux à présent. Youpi! Et là, je suis libre. À partir de maintenant, le temps sur l'île s'écoulera à la même vitesse que dans le monde réel. Ok, donc il fera nuit ce soir. Ne touche pas au bouton Power si tu vois l'indicateur de sauvegarde automatique en haut à droite. Ok. Miles Nook. Ok. Rends-toi ensuite au bureau des résidents pour échanger tes miles contre divers avantages et articles Nook Stop. Profite de tout ce que l'île a à t'offrir, accumule les miles Nook. Ça marche. Les miles de bienvenue. Ça c'est pour ma bienvenue. Qu'est-ce que j'ai? Combien? 500. C'est bien. Chaland de Nook Hills. Pêcheur. Oh ça y est. Oh alors là c'est bon. Alors, 10 poissons. 10 poissons, ça va être fait. Hein. Parler à ses voisins. C'est fait. Capture des bébêtes. 10. C'est fait. Planter des fleurs. 10. C'est fait. Commerce de fruits. Vendre des fruits. C'est fait. Commerce de coquillages. C'est fait. Offre des meubles à ta maison. Ça va être fait. C'est bon. Ça va être fou. N'hésite pas à dégainer ton appareil photo, à faire sortir le petit oiseau. Passeport en ordre. Ça va me donner des miles, ça? Ouais. C'est bien ça, je vais faire une photo. Passeport. Vas-y, je vais tous les lire du coup. Ok. Je vais modifier les informations de mon passeport pour commencer. Un premier message sur le panneau d'affichage. Ok. Il est impératif de disposer des meubles et de décoration extérieure. Ok, donc décoration extérieure. Les motifs personnalisés. Ok. Ça marche. Appareil photo. On va prendre une...
belle photo. Alors, comment je bouge? Alors, attends, L. Oh, avec la date, trop stylé. On va mettre... hop, comme ça. Avec un petit filtre. Oh là là, des filtres. Intense. C'est intense. Par contre, on peut dézoomer du coup. Ah, par contre. Attendez, je réalise un peu comment. Comment je le déplace? Comme ça. Ok, en fait le cadre c'est pas... Je croyais que le cadre ce serait avec les flèches et tout, mais en fait c'est bon. Ok, donc du coup on va zoomer un petit peu. Et voilà. Bonjour. Excellent. Donc là, si je comprends bien, j'ai absolument gagné des miles. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Mmh. J'ai absolument gagné des miles. Quel boss. 300 miles. Pff, putain, ça... Oh. Eh, ça va aller vite, hein. Ça va aller vite, hein. Je vous... Accrochez-vous, hein. Motif personnalisé. Du coup, on s'en fait un. Oh, ça va être ultra galère. Je vais pas le faire maintenant, je vous le dis. Parce que... Alors, attendez. Quoi? Oh. Pour l'instant, je vais juste prendre les miles. Juste très simplement voilà, c'est un super motif. C'est super, non? Simple, efficace. J'ai mérité mes miles. Voilà. C'est trop bien. En vrai, il est trop bien. Il est vraiment bien. Il est trop bien. J'adore. Ah, par contre c'est chiant parce qu'il n'y a pas de fond. Attends, je vais le modifier, il n'y a pas de fond, ça dégoûte. C'est dégueulasse. Attends, on va mettre un coup de peinture là. On va mettre du vert. Comme une grenouille, on dirait une petite grenouille. Parfait. C'est super. je suis fan, hein. En vrai, je suis fan. Merci Rinslore pour les 28 mois. Merci Alfrost. Merci Kevin pour les 1100 bits. Merci Ovaro pour les 10 euros. Je vais aller faire une petite sieste avant d'aller dormir. Merci Barto. Merci Chamalou. Merci Mr. Funyuk pour les 5 euros. Merci tout le monde, hein. Je vois pas tout, mais... Bah voilà. Mais non, mes yeux, ils sont sur les aisselles. Oh, ça dégoûte. En plus, c'est un Marcel, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est dégueulasse. Nintendo, merci d'avoir téléchargé la mise à jour. Nous avons même un petit cadeau pour toi. Espérons qu'il te plaise.
Hop, dans la poche. Félicitations pour ton installation. Pour célébrer ton emménagement, voilà un cadeau qui te sera certainement utile. Cimer. Cadeau. Une Switch. Gratos, comme ça. Établi de bricolage. Je vais mettre la Switch dans la maison. Trop bien. Ça sert à quoi? Excellent ça! Ah non, mais c'est trop chiant parce qu'en fait là, vous voyez, le bloc est tellement fat. Et du coup là, par exemple, si je veux pas la tourner, mais la déplacer. Bizarre. Tire à partir de la gauche. Ok, attendez, je vais aller voir comment ça marche parce que vaut mieux que je comprenne avant. Donc là, par exemple, si je suis... Ah, attendez, je crois que je comprends ce que vous me dites. D'accord, vers le haut, vers le bas. Ça tourne, vers la gauche ou vers la droite. Ouais, mais comment... Du coup, si je veux la monter d'un cran, je vais faire comme ça. D'accord, ok, je vois. Okay. Faut tirer, quoi. Enfin, je me comprends. C'est bon. Ok. On récupère ces Miles Nook. Directement. Putain, je vais vite, hein. C'est tout pour l'instant, c'est tout. Alors, on voulait masse de coquillages. Là, il y a plein de choses à faire. Hein. On veut masse de coquillages, de trucs, de machins. Et le passeport. Peut-être qu'on peut changer son passeport ici, ou alors c'est dans l'appli. C'est plus fun chez Jiraya. Eh ben vas-y. Qu'est-ce que tu viens me casser les couilles là? Je parle à des oiseaux, moi. Comment tu as fait pour rentrer? J'aurais pourtant joué que tu avais fermé la porte. De devant. Eh, je suis là, mon gars. Parle au voisin. Ouais, faut que j'aille parler au voisin. Ouais, ça marche. Rien d'autre à faire ici. Je peux peut-être acheter des cartes postales. Wouah. On enverra des cartes postales. Il a zappé la tarentule. Ah non, j'ai pas vu. Il y avait une tarentule. Il me la faut. Faut que je capture des insectes. On dirait qu'il n'y a personne. Faut que j'aille les trouver pour leur parler. Et il fallait que je mette mon établi à côté de chez moi aussi. Mais je l'ai pas fait. Coquillage. Trop bien. Des cerises, c'est bien, parce qu'on va pouvoir vendre les fruits. Ça me rend malade la terre ronde comme ça. Ah ouais? Moi pour l'instant, j'avoue que ça me fait rien. Enfin, j'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ça va. Ouais, toi, je veux te parler. Je dois te parler. Merci encore d'avoir choisi un emplacement pour ma tante. J'ai assuré. T'as pas un petit cadeau pour moi? N'hésite pas à me faire signe si t'as besoin de quelque chose. Bah bien, c'est cool. J'ai décidé de t'offrir un plan de feuilles à pluie. Qu'est-ce que c'est? Ah, les plans, c'est pour faire du craft. Quand je me suis pointé ici, je me suis tout de suite dit ça manque pas de mauvaises herbes dans le coin. D'où l'idée de t'offrir ça. C'est un plan de bricolage pour lequel faut pas lésiner sur la mauvaise herbe. Nice. Alors, du coup, ce plan, c'est pour faire...
Toi, il y a pluie. Ok, faut que j'aille faire le tuto avant, je pense, de toute façon. Par contre, il faudra plein de mauvaises herbes, du coup, je les prends. Par contre, je viens de prendre les fleurs qui étaient devant chez moi, là. Ah, d'accord. Je sais pas. Alors, il est où l'autre l'autre habitant? Je peux marquer un truc sur le panneau de l'entrée. C'est peut-être pas le panneau de l'entrée, ça. Non, ça, c'est les actualités. Créer un message. Putain de bordel. Je vais être obligé d'écrire en SMS tellement ça me saoule. Bonjour. Oh putain. Quoi? Pourquoi? Attends. Je vais y arriver. Espace Y. Putain, je tilte. Je tilte de ouf sur ce clavier. Bonjour à tous. Le mec vraiment qui vient juste chercher ses miles. Hein. Je veux juste mes miles. Bonjour à tous. Et voilà. Ça fera plaisir à tout le monde. Là, j'ai mes miles. Plaisir. Ça marche pas à l'écran tactile. Ouais, moi je suis sur la manette pro. Du coup c'est giga chiant. C'est giga plus chiant en fait. Vous êtes naïf. Vous croyez vraiment que j'ai pas fait exprès d'écrire tous? Vous êtes d'une grande naïveté. Qu'est-ce qui vous arrive? Faut faire attention. Hein. Vous êtes très premier degré sur ce coup-là. Là. Attention à vous. Hein. Attention. Hein. Vous allez tomber. Je vais me faire mon craft. Hein. Je vais me faire mon atelier de craft. Le passeport est sur le portable. Let's go. Let's go. Passeport. Nice. Ça peut être vu par les autres joueurs. Tu peux changer de photo, de titre, de commentaire. Ok. J'aime bien ma photo. À voir si je la change. Je sais pas ce qu'on peut faire. Oh, j'ai une idée. Je sais pas si on va pouvoir. Je peux pas faire encore plus zoomé. Oh merde. Je voulais vraiment faire un truc sale. Genre vraiment très... Oh ouais, un peu... Un peu sombre comme ça. Je suis un peu flippé là. Ah, c'est pas pixel perfect. Ah. Il fait un peu plus peur comme ça, j'aime bien. Fils. Fils ragoteur. Fils du monde sauvage. Oh, ça fait un peu Raon. Vous vous souvenez de Raon? C'était le fils des âges farouches, j'en sais plus trop quoi. C'est trop stylé. Fils du monde sauvage. Trop bien. Commentaire. J'ai un poil dans... Comment on a un cil dans sa bouche? Comment on y arrive? Comment on arrive à ça? Influenceur? Vas-y! Putain, vous êtes des connards! Maintenant, je suis obligé de le mettre. On est bon. miles. On va se faire un atelier. L'atelier c'est plutôt en extérieur je pense. Ça peut se faire en extérieur. C'est un plan de bricolage. Alors il faut d'abord que j'aille voir Tom Nook pour apprendre tout ça avec les plans de bricolage et tout je pense. On va... Merde, je suis perdu. C'est plus à gauche. Ouais, on va aller voir Nook Nook. Et salut à tous.
C'était dans le titre influenceur. Ah ouais. Ah merde. J'avais pas vu. Je le referai. Du coup il va faire nuit tout le stream. Normalement ouais. Ouais. Ouais il va faire nuit tout le stream. Attendra pour Kevin de quoi. Il achète à peu près tout. Attends, il m'a dit que qui achetait tout. J'ai pas, du coup, j'ai pas lu. Je regardais le chat. Je me suis fait avoir. Merci Crazy Hunter pour les 5€. Bonne aventure. Je propose un atelier de bricolage gratuit afin d'aider les arrivants à bâtir leur bonheur insulaire. Mélie. Ok, c'est Mélie. Donc, par exemple, Mélie. Je peux te vendre des fruits. Allons-y. Oh, elle est belle. Alors, je vous le dis direct, la canne à pêche et le filet, c'est la priorité numéro 1. On va même pas plaisanter là-dessus. 400 balles la cerise! Mais vous êtes malade! Vous êtes. On ne fait pas que vendre, on achète aussi un peu. Ah! Comment ça 600 balles la cerise? Je veux vendre, je veux vous vendre des trucs. Achète-moi des trucs. Tu vas m'acheter toutes mes cerises. Ok, donc c'est des stacks de 10. Des cerises. 1000 clochettes. Ouais, mais tu les vends 600 balles, mon gars. Ah, ça devait être un stack. Mais bon, quand même. Ouais. En mangeant un de ces fruits, tu sentiras une force rare te parcourir. Ah ouais? Avec le bon outil, je pourrais bien être capable de briser des rochers ou déterrer des arbres. Ah, le bruit, le fruit, ça te donne la force nécessaire pour faire certaines actions. D'accord, donc faut garder un peu de fruits. Ok. Hop. Vendre ce dont tu n'as pas besoin. Très bien. Hop. Est-ce qu'il y en avait un autre? Non. Okay. On va pouvoir lui acheter. La canne à pêche. Tu sais que tu peux en fabriquer une gratuitement à l'atelier de bricolage? Ouah! Oh alors non 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 c'est bon, non non c'est bon, ça va. Il est trop con lui. J'allais lui acheter pour rien, il m'a dissuadé, il est con. Merci hein. L'atelier bricolage. Ok. Il faut rassembler des matériaux, suivre un plan et travailler sur un établi. Ok. C'est très simple. Nous allons fabriquer une canne à pêche à l'aide de matériaux ordinaires, faciles à dénicher. D'après le plan, seules 5 branches d'arbres sont nécessaires. Je les ai. Je les ai, monsieur. Retroussons-nous les manches et fabriquons-là cette canne à pêche. Let's go. Utilise l'établi et sélectionne un projet. Canne à pêche rudimentaire. On est parti. Il y avait du craft dans les autres Animal Crossing ou c'est. Je crois qu'on m'a dit que c'était une nouveauté. Hein. Ah,
C'est pas mal ça. Voici quelques plans de bricolage gratuits. Donc ça va être payant après le bricolage ou... Bah non, puisque j'aurai mon atelier après. Faut juste que je crafte mon atelier quoi. Ok, j'ai une appli création, nice. Très bien, du coup je vais quand même devoir acheter le filet, j'imagine. Je te suggère de viser juste devant la silhouette d'un poisson quand tu lances la ligne. Les poissons, j'espère que le poisson c'est un truc un peu compétitif. Genre tu peux avoir des trucs shiny, genre ultra rares et tout, j'espère qu'il va y avoir des trucs comme ça. Je suis le genre de gogol qui peut essayer d'avoir un poisson pendant 3 heures donc ça me plaît. J'aimerais bien. Les plans seront payants. Ouais d'accord. Le filet, on peut le faire. Bah c'est parti. Il y a plein de poissons badass, il y a des requins. Bon, trop stylé, je vais faire ça. Hein. On va se faire un peu de pêche tout à l'heure. Bricoler autre chose, est-ce que je peux? Peut-être, puisque j'ai des plans. Feu de camp, en vrai, je peux pas encore, mais voilà. Ok. Par contre, du coup, le fait que j'ai des plans là. Comment je l'apprends? D'accord. Très bien. Très bien. Feuille à pluie. On va devoir aller récupérer des matériaux là, je pense. Au travail. Le jeu pour l'instant il est bien de ce que tu vois. Bah il est très simple, c'est le jeu chill auquel on s'attend quoi. Donc c'est bien. Feuille à pluie. À quoi ça sert? D'accord. Et à quoi ça sert? Enfin je veux dire, à quoi ça sert d'avoir un parapluie dans le jeu? C'est quand il pleut quoi. C'est pourquoi pas hein. C'est un parapluie, ok. Non très bien. C'est un parapluie. Bois dur et pépite de fer. Oh. Pépite de fer et bois dur, ça c'est... Eh, pas si simple, hein, pas si simple. On va aller faire un peu de pêche. Ça part la pluie. Trop stylé. Merci à toi. On applaudit dans le chat s'il vous plaît. Oh putain, je pense que personne n'en avait attrapé aussi vite. Hein. Est-ce que j'ai eu de la chance qu'il soit directement à la sortie comme ça? Est-ce que j'ai parce que j'ai peut-être le world record de l'attrapage de papillons? Y'a moyen. Hein. Je dirais qu'il y a moyen. Alors ça, on va pêcher là. On va pêcher ça. Moi je pensais qu'il y aurait un truc sur l'interface qui me dirait maintenant. En fait pas du tout. Genre ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. C'est non. Faut tirer quand c'est enfoncé dans l'eau. Ouais j'ai pas trop fait... Merde pardon. J'ai pas trop fait gaffe. J'avoue On va le refaire. Oh, les coquillages qui sont arrivés sur la plage, là. Très bien, ça. Très, très bien, ça. Pas d'autres coquillages? Ça dégoûte. Oh, 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 oh. Allez, on clutch. Faut que je m'entraîne un peu, là. Désolé, je suis... Oh, il y en a un gros, là-bas. Sérieux?
Alors j'ai spammé A. J'ai spammé A, je sais pas si c'est une bonne chose. J'ai trouvé un gobi d'eau douce. Le gobi. Allez hop, le gobi. Par contre là-bas, le gobi, j'étais là, je l'ai vu là. Je l'ai vu lui, hein. Ah non. Non. Non, 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 non. Attends, c'est très sensible. Ça dégoûte. Là j'aurais dû attendre. Je pouvais pas le faire genre pixel. Dès qu'il tombe je fais. C'est une question de réflexe ou c'est une question d'attendre un meilleur moment? Ah j'ai trollé putain. Trop tôt. Ouais j'ai trollé. Fallait attendre qu'il coule vraiment. Oh, une autre. C'est bon. Saved. Je vous décevrai pas. Je vous décevrai pas. Sur lui. Non, on a rien à foutre. Tu trolls. C'est enculé. Oh, viens. Le logo BGT. Un bar. Sur un bateau, le bar. Et en plus ils font des blagues, je les adore. Yes. J'en veux un autre, j'adore la pêche. Je vois rien. Oh. On voyait rien, c'est hyper mal fait. Quand tu cours, ils partent. Oh. Ok. Je vois. Oh, ça, c'est pas un gobi, ça. C'est une vandoise. Tu crois qu'elle aime les framboises? Oh putain, c'est trop. C'est cringe. À chaque fois, je cringe quand ils font une réflexion sur mes poissons. Je cringe un peu. Mais j'aime bien en même temps. C'est un peu un sentiment contradictoire à chaque fois. Tu peux tourner l'angle de la caméra. Oh! Trop bien. Oh! Il est beau celui-là. Est-ce qu'il y a une chance que même si tu appuies au bon moment, il s'en aille? Juste parce que c'est comme ça? Une perche jaune. Mais il y en a plein des différents, mais je suis aux anges. C'est trop bien. Il y en a plein. Regardez lui, encore complètement différent là. Non. Il y en a plein. Tu as pris un carassin. Tu sais que c'est un cousin de la carpe. Oh, trop bien. Et c'est libre service en plus, hein. C'est illimité, hein. Ça, j'en ai déjà eu un. Non? Ouais, un carassin. Tes poches sont pleines. Oh. Damn. Moi, j'en ai déjà un. Je relâche, non? Ou alors j'échange contre un truc moins cher. Genre des cerises. Alors qu'est-ce que je peux faire de mes poissons? Est-ce que je vais les vendre?
Donne-les à Nook. Musée. Ouais, mais j'ai pas de musée. Le souci, c'est que j'ai pas de musée, les enfants. Vas-y, j'ai déjà un papillon de nuit pour l'instant. Parce que le musée, il arrive après, en fait. Enfin, je l'ai pas encore. Je vais peut-être vendre. Je sais pas. Quoi puis-je être utile? J'ai trouvé une créature. Remarquable capture, nous avons là un superbe spécimen de carassin. Si cette île abrite un carassin, qui sait quelles autres créatures fantastiques elle recèle par ailleurs? Je viens d'avoir une idée. J'ai un vieil ami conservateur de musée et je suppute qu'il serait ravi d'examiner cette découverte. Qu'en dis-tu? Accepteras-tu de la soumettre à ton avis expert? Bien sûr. Eh ben je vais tout te donner mon gars. C'est mon Pokédex. J'ai un Pokédex. Trop bien. Ouais. Je vais tout te donner. J'ai trouvé une créature. Putain, ça va être long de tout lui montrer. Le gobi d'eau douce. Mon dieu, j'ai tellement envie de jouer. Mec, je suis juste en train de prendre des poissons. Genre, vraiment, c'est tout simple. Mais j'avoue, c'est trop bien. Ça va être long de tout lui donner, mais bon. Est-ce que tu as profité de mon établi de bricolage? Bien sûr. Je voulais partager plus de plans de bricolage avec toi. Peux-tu allumer ton Nookphone? Tout, pas de souci. Pour faire une hache. Trop bien. Mais moi j'aurais peur de détruire les arbres. J'espère qu'ils vont repousser. Merde. Je lui ai dit faut faire quoi. Mais je l'ai déjà fait ça, je sais. Tu peux replanter des arbres? Ok. Bon, c'est bien alors. Il y a une récompense pour moi. Un sac de jacinthe. Il s'agit d'un échantillon de nos produits. Il te suffit de les planter, patienter quelques jours et tu verras éclore de jolies fleurs sous tes yeux ébahis. Ok. Putain, j'ai hâte de savoir construire un pont. J'ai bientôt fini, hein, je lui donne tout. Faut l'arrosoir sinon les fleurs fanent. Ok. Il s'agit d'une variété de fleurs particulièrement robuste qu'il suffit de planter pour qu'elles poussent. Mais si en plus tu les arroses tous les jours, alors prépare-toi à voir la magie opérer. Prépare-toi à les voir proliférer et se croiser pour donner naissance à de rares et merveilleuses couleurs. Aïe, je me suis mis un doigt dans l'œil. C'est pas cool. Mais comment les arroser? Facile, je t'ai envoyé le plan pour fabriquer un arrosoir.
Très bien. C'est bien parce que je lui donne des plans, mais il me donne des trucs en échange quand même. Allez, on a bientôt fini. T'as déjà un avis sur le jeu ou pas du tout? Bah c'est tout simple, mais pour l'instant c'est bien. Hein. En fait, je progresse assez naturellement, c'est agréable. Genre ça se fait tout seul. Tu vois, j'avais grave envie de faire de la pêche et attraper des papillons et je suis allé le faire et je progresse vite avec ça en fait. Donc c'est bien. T'as jamais joué à Animal Crossing avant? J'avais joué un petit peu sur GameCube mais pas énormément. Je suis un peu néophyte de la série. J'ai un appel, un instant. Tu vois, il se passe des trucs en fait, il se passe des trucs inattendus, je trouve ça cool. Thibou, c'est toi? Tu tombes à pic? Combien d'espèces? J'ai d'ores et déjà reçu 5 remarquables spécimens. C'est que le début, mec. Attention, c'est que le début. Tu es sûr? Voilà qui ouvre de fascinantes perspectives. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'était mon ami Thibou, le conservateur de musée. Figure-toi qu'il va venir sur notre île pour nous aider à recenser ainsi que protéger la faune locale. Tu auras aussi ton rôle à jouer, Thomas. Oh là là. Excellent. Toi qui connais déjà les lieux comme ta poche, pourrais-tu trouver un emplacement pour Thibou? Mais bien sûr! Nous y bâtirons un musée d'envergure mondiale. Il faut donc un vaste terrain. Trop bien. Trop bien. Je vais mettre le musée. Et hop, on a déjà le musée. Trop bien. Miam, le cul de Link. What the fuck. Des fois, je tourne la tête vers le chat et je vois des trucs incroyables. En quoi puis-je t'utile? Ah bah, du coup, plus rien, parce qu'il prend plus mes créatures. Ok. Le petit cul là. J'ai même pas montré mon cul, vous avez des soucis. Alors. Si tu bricoles. Ok. J'ai quoi comme. J'ai des plans. Non, j'ai des sacs de chassante. Ouais. Je vais peut-être aller voir les plans vite fait avant de partir. Carassin, je lui en avais donné un, hein, il me semble. Je lui ai déjà donné le carassin. On est d'accord? Je vais vendre mon carassin. Et les papillons, ça va dans le musée aussi, on est d'accord? Donc je garde mon papillon. La hache. Je vais prendre la hache plutôt que plutôt que l'arrosoir. Par contre la hache, je peux peut-être la crafter. Attends. Par contre je veux quand même te vendre mon poisson. Hop. Je pense que t'es un ouf, toi, un ouf malade. Les coquillages, je devais faire quoi avec? 160 clochettes? Enfoiré, va. Je devais faire un truc avec... les vendre. Ok. Ouais, j'y vais alors. Coquillage et crustacés. Branches de corail, ça va avec. Je pense pas que ce soit rare, je peux le donner. Ouais. Et bah voilà. On a fait un peu le vide. Combien? Vas-y, combien? Combien? 1920 clochettes, marché conclu. Merci Upperstar pour les 400 bits. À quand la suite de Life is Strange 2, le jeu décolle vraiment à l'épisode 3? Ouais, j'avoue que j'ai décroché avant malheureusement. A voir si je me relance dedans un jour, ce serait quand même pas mal. Comment ai-je pu oublier? Il faut bien sûr que je te parle un peu de ce terminal. Le Nookstop te fournira de nombreux services.
propose deux services, le Nook Shopping, un service de commande d'objets. Ok, donc ça c'est avec les Nook Miles, c'est pour acheter avec les Nook Miles. Et c'est un distributeur automatique de clochettes. Oh. Oh. Je vais aller regarder vite fait. Merci Big Boss Pig, merci Epinerf, merci Electro, Pilou Pilou, Cambras, Poney, JB, Rinslor, Alfrost, Barto, Chamalou, Zirael, Monsieur Hibou, Jichel, Hughes, Blackflower, Neros, Pingui, tant d'autres. Coach, merci à tous. Accéder au Nookstop te fait gagner une fois par jour des miles bonus. Ok. C'est cool. Ah. Putain, elle est chère. Oh, on peut acheter des musiques? Des mocassins? Oh, je vais me faire un style tellement cool, putain. Ça va être incroyable. Merci, Vryn, Upper Star. Merci à vous. Pour les subs. Dépôt, retrait. Ok, d'accord, ok. Tu peux acheter des plans pour crafter aussi. Ok, ok. Un abri à oiseaux. Un flambeau. Un lot de piquets. Il me faut du bois, hein, parce que là il faut que je me fasse une hache. Et un arrosoir, soit dit en passant. Donc il me faut 8 de bois. L'abri à oiseaux, c'est pas mal. Du bois tendre. Et surtout, il fallait qu'on puisse faire ça, mais ça c'est pas tout de suite quoi. Le bois dur et la pépite de fer, on n'y est pas encore. Ok! Allons-y! Il nous faut du bois. Je peux pas juste ranger. Attends, j'ai quoi là? J'ai le parapluie. Et il faut que je mette le musée aussi. Faut que j'installe le musée. Je vais installer le musée. Ouah! Des clochettes. Il y a de l'argent dans les arbres. C'est le meilleur jeu. Il y a de l'argent dans les arbres. C'est exceptionnel. Exceptionnel ça. De l'argent. Attends, faut que je me fasse une hache rapidement parce que c'est relou de récupérer les bâtons là. Il doit y avoir des poissons sur la plage là. Ouais. Pourquoi il veut pas lancer? Bah ouais, le souci c'est ça. T'es trop près là mon gars, ça marchera jamais non? Moi si. Attends de couper les arbres pour faire de la place et avoir des ressources. Une immonde, c'est magnifique. Oh! Oh! Comment je l'attrape? Qu'est-ce que je fais? Avec ça? Je sais pas. Je t'attrape. Oh non. Oh non, j'ai mis à côté. Putain, mais c'est chaud de déterminer la range, hein. Ah, je suis deg. Dégoûté là-dessus. Tu l'as tué. Mais non. Mais non.
Vous inquiétez pas, je lui ai pas fait de mal. C'est promis. Reviens! Il reviendra jamais. Du bois. Oh! Oh non! Alors, ça, si je comprends bien, non, c'est pas bon du tout. Elles vont très, 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 très vite. C'est cheaté! Aidez-moi! Non. Ah, j'étais arrivé. Oh non, je me suis fait mal. Mais non. Je suis dégoûté. J'ai fait le maximum. Alors là, je suis dégoûté là. Extrêmement déçu là. J'étais trop content, je me suis dit, oh, du miel ou un truc comme ça. Bah non. Que dalle. Putain, à chaque fois je fais A pour ramasser, ça marche jamais. Personne. Combien de bois là? 8 de bois, c'est pas assez. Il faut plus de bois là. Plus de bois. C'est bien. Bien. Je vais les niquer. Les piqûres de guts. Ah bah voilà, le karma, tu vois. Le karma est positif, je récupère de l'argent. Si tu te fais encore piquer avant d'avoir guéri, tu t'évanouiras. Certes, tu gagneras quelques miles, mais prends quand même un remède et oublie ce mauvais moment. Allez, 300 miles. Parfait. Très bien ça. Moi j'avoue. Attendez, vous avez raison. Attends, j'en ai encore. Allez hop, accro à l'écran. À quoi servent les miles? À avoir des trucs assez rares. Mais moi, je veux juste faire toutes les missions en fait. Je peux la ramasser maintenant? Oh, trop bien. Du coup, je sais plus où était la première. Enfin, ça, c'était la première, je crois. Du coup. Eh, c'est pas l'heure de dormir, ici. Hop là. Oui, je me suis fait piquer. Oui. J'aurais bien dépanné d'un remède, mais là j'ai que chi. Par contre, je peux te montrer ce qu'il faut pour en bricoler un toi-même. Voilà, je veux bien ça. Nickel, c'est ce qu'on dit. Apprends un type à faire des remèdes et il pourra se faire piquer tous les jours. Ok, super, c'est pas l'objectif, mais. C'est le meilleur jeu de confinement, chill et tout. Ah bah, ça fait passer le temps, hein, clairement. Très clairement, ça fait passer le temps. Hop. Je sais à présent fabriquer un remède. Est-ce que avant d'aller à l'atelier, je peux savoir comment on fabrique les choses? Oui.
nid de guêpe et mauvaise herbe. Bon. Vous allez me soigner après. Ah mais d'accord. C'est beaucoup plus simple. Vends la Switch, tu veux être riche. Est-ce que c'est important de l'avoir ? C'est peut-être important d'avoir la Switch. Hein. Allez, le karma, une ruche. Je vous emmerde. Ok. J'essaye de voir s'il y a un petit poisson. Après, on va aller crafter un peu. Oh, alors non. Là, par contre, j'ai vu un truc là-bas, là. C'est le parfait. C'est pas rewarding, hein. C'est pas rewarding ça. J'ai pas de pelle. Non, j'ai cru. Il a pris de l'élan. J'étais sûr qu'il allait le faire, mais il m'a feinté de ouf. Putain, je l'ai fait fuir. Vas-y, c'est bon. C'est pas pour moi la pêche là maintenant. Là maintenant, c'est pas pour moi là. J'ai déconné là. Ah, je suis deg. Ah, j'ai déconné là. C'était sûrement un requin, putain. Une loge d'étang. Oh, ils avaient fait une sacrée blague. Une loge d'étang. J'adore. On va aller crafter, mais d'abord. J'ai pas capté, je regardais pas au début et du coup j'ai pas capté du tout qu'il l'avait enfoncé. Vas-y, il faut plus de concentration pour la pêche, il faut s'investir davantage. C'est important, il va falloir que je m'investisse davantage. Regardez, je vais m'investir. Je m'investis. Je suis investi. Oh, alors... Mais je m'étais investi, non mais c'est... Tu pourrais l'apporter si tu avais une deuxième godasse. Ça t'a donné une idée de plan. Oh non, on dirait que ta fidèle canne à pêche rudimentaire vient de rendre l'âme. Vous êtes sérieux? Vous foutez de ma gueule? Un Bernard l'ermite! Je crois qu'il préfère rester dans son coin. Une hache. Tu vas fabriquer une hache rudimentaire. C'est beau. Un remède. Tes poches sont pleines. Fuck. C'est chiant, faut qu'on agrandisse l'inventaire là. Faut que je trouve un moyen d'agrandir mon inventaire. C'est très important. C'est très très important. Ça, on l'est. Le carassin, je peux le vendre. La godasse, on va dire qu'on la vend pas. La loche, c'est pour le musée. Je sais pas. Les mauvaises herbes.
Faut que j'aille poser le musée, je pense. Hein. Des clipéastres, je sais même pas ce que c'est. Les cerises. Ah, c'est vrai que les cerises, ça donne des thunes. Hein. Les coquillages, c'est vrai. C'est quoi les clipéastres? C'est un coquillage. Le Bernard l'ermite aussi? Le Bernard l'ermite, c'est pas une créature. C'est pas pour le musée. Ah, les affaires vont bien. Hein. Oh, les affaires vont très très bien. Hop, on va faire une canne à pêche avant de partir. Vends la chaussure pourrie. Bah, j'aimerais bien en avoir une autre. Tout de même. Et on avait pas dit qu'on devait crafter autre chose. Les paires de bottes recyclées. Vous voyez, il faut deux godasses. Comme ça, j'aurai des bottes. Et le remède. Hop là. Et on pourrait faire l'arrosoir, mais bon, j'ai pas assez de place. On va... Remède. On va mettre le musée parce que j'en ai marre. J'ai pas fait la canne à pêche? Mais putain, mais j'ai des problèmes. Je voulais vraiment la faire en plus. Du coup après on va avoir une vraie canne à pêche je pense. Une canne à pêche ultra stylée. Ça me gratte le nez, c'est très énervant. Oh, ça farm les miles. Ok, plus je fabrique des outils, plus j'ai des miles. Le commerce de fruits. Ok, ça c'est le commerce de fruits. Et donc si je vends mes cerises, à chaque île a son genre de fruit. Donc moi j'ai eu les cerises. C'est bien les cerises. Je crois que c'est Étoile tout à l'heure qui disait qu'il voulait des cerises. J'espère qu'il a eu des cerises. Donc ça, peu importe que je fasse le musée ou pas, que ça aille au musée ou pas, si je les ai capturés, c'est bon. Genre notamment la... Non parce que regardez, la limande. Ah si, elle est là. Non, c'est bon. Tant que je les ai pris, il a eu des pommes étoiles. Chut. J'ai eu des cerises. Je vais lui en amener. Ok, on va aller faire le musée. Moi le musée, je l'aurais bien mis par exemple ici, là. J'ai pas beaucoup de place pour l'instant. Ou là. Je sais pas quelle taille il fait. Là.
Regarde un peu la taille que ça ferait. Oh, ça va, c'est pas énorme. Je m'attendais à pire. Je peux le faire là, ouais. Comme ça. Pas trop contre la rivière, ouais. Faut pas se faire baiser par ça, mais moi je l'aurais mis là. Je devrais attendre d'avoir accès au reste de l'île. Ok, donc c'est juste que c'est chiant parce que j'ai des trucs dans mon inventaire que je veux lui donner et c'est chiant. Mais ouais. Vraiment pas assez de place. Bois tendre, bois dur. Ok. Est-ce que je peux poser des trucs dans ma tente? Mais j'ai pas beaucoup de place dans ma tente non plus. Tu peux le déplacer, t'inquiète. Ah ouais? Je suis désolé de me curer le nez, je vous jure, je sais de pas rentrer dans mon nez avec mon doigt. Hein. Mais ça me gratte le nez à l'intérieur, c'est... Ça me gratte l'extrémité de l'intérieur du nez là. C'est insupportable. Bah je vais le faire ici alors. On se pose pas de questions, vas-y on y va à l'instinct. Voilà, comme si je jouais tout seul. Je me dis là, ça me convient. On y va. Bah écoutez, je trouve ça sympa. Vas-y là qu'on est entre couilles. Là ça va, mais bon. Thibaut a désormais un emplacement où il va pouvoir s'installer. Sacré barblink. Je pense que je vais la laisser pousser pendant tout le confinement. Comme ça, quand je vais ressortir cet été, tu sais, que je vais revoir la lumière, on va se dire, mais d'où il sort celui-là. Je vais être comme ça avec une grosse barre. Je vais dire, on est déjà en juin. Oh. Merde, pardon. Très bien ça. Par contre, je pense que ça va mettre du temps à être construit. Ici se dressera bientôt la tente de Thibaut. Ah, je vais devoir attendre à mon avis. Hein. Putain, mais s'il y avait un système de coffre là, il doit forcément y avoir un système de coffre. Bon, du coup, les next steps. Bois dur. Alors, il me fallait du bois dur machin pour. Ouais, je vais continuer à farmer un peu de bois. J'ai trois types de bois de toute façon, donc c'est bien. Ça va faire des stacks. Ça me gratte. Et je vous jure, ça me démange le nez de ouf. Ah. Oh. J'en peux plus. Ah non, hein. Pas ça, hein. Passe bien, on va avoir assez de bois et du coup il fallait du fer pour l'atelier, mais c'est pas grave, pour l'instant j'ai un atelier chez Tom Nook donc c'est pas essentiel. Tape sur les rochers, ouais, mais je suis pas sûr de pouvoir avec une hache. Bien, tape sur les villageois avec ta hache. Oh ouais, je vais le faire. C'est une super idée ça. Putain, mais genre j'ai eu full argent alors que celui-là il me donne full pierre, j'ai eu trop de chance en fait. Wow, ça c'est bien ça, c'est quoi? Attends. Pépite de fer. C'est ça qu'il me faut. Trop bien. Par contre, c'est pas fait pour ça, je pense hein. Il faut une pioche, ouais, je pense. Ouais. Forcément.
Je sais plus combien il faut de. Oui. Thibaut. Il veut combien pour le rembourser? Il a besoin de combien lui? 5000. On n'est pas très loin. Donne-lui tes animaux, mais je crois que je peux plus. Enfin, la dernière fois, je pouvais plus. La dernière fois que j'ai essayé. Hop. Et un atelier. De toute façon, là, je crois que j'ai plus de place. Et je crois que c'est pas la peine. On a rien de spécial à faire. On a la hache, mais. Je crois que j'ai pas la place. Si. Arrêtez pour l'instant. Il y a un coffre dans la tente de Tom Nook, tu peux stocker. Alors, ça pourrait m'être utile. C'est que vous êtes pas trop con, vous, hein? Quel étourdi! Bah ouais, fallait me le dire, connard. Une boîte de recyclage. On y entrepose les éléments qu'on doit retirer durant un chantier ou ce genre de choses. Si tu aperçois quelque chose, serre-toi. Attends, attends, c'est une boîte de bricolage. Les objets les plus anciens passent à la trappe dès que la boîte est pleine. Oh là 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 là, dis donc, ouais. Une boîte en carton. Attends, est-ce que je peux lui donner des animaux? Non. Ok. Ah, j'avais des trucs à vendre, je pense. Putain, j'ai des problèmes de place là, ça me saoule. Ça limite ma créativité, vous savez. Bon, on va vendre des trucs, je pense. Non, vas-y, on va aller mettre mon établi, on va se calmer. No stress. On va prendre le temps. Je pense que je vais me faire un atelier ici. Hop. Hop. Et voilà. On a notre propre atelier. Et pourquoi je voulais de la place? Je perds la mémoire tout le temps. Parce que je voulais crafter. Okay, en fait, je cherche ma next step. Le carton. Je voulais récupérer le carton parce que le carton, peut-être que je peux entreposer des choses dedans. Et ça peut être bien. Ça peut être une bonne chose. Arrêtez avec vos diamants là, je vais vous goumer. Eh, vous, en fait, vous saviez que Emmanuel Macron il a retweet un tweet dans lequel il y a un mec qui dit goumer. Et que ce mec c'est moi. Je sais pas pourquoi il a fait ça. Moi je suis pas sûr que je l'aurais fait en tant que président. Macron t'a retweet? Ouais ouais. Sans déconner. Il a retweet 4 tweets. En fait le matin, je vous explique la situation de base. Le matin il y a Webedia qui nous dit que le gouvernement cherche des influenceurs qui voudraient bien communiquer sur rester chez vous, sauver des vies et tout. Donc nous on dit oui évidemment. Et je fais un tweet où je dis ma soeur est infirmière et j'adore ma mamie, donc si vous sortez je vais vous goumer. Avec leur image et tout, leur hashtag. Et genre l'après-midi il m'a retweeté. Et il a retweeté JDG et un mec qui bosse chez le stream qui s'appelle Zek, je crois. Et une autre personne qui est pas influenceur ou créateur. Et j'étais là genre.
Ah bon? Attendez. Oh, c'est rien, hein. Mais c'est marrant d'avoir ces notifs là. C'est bien. Ça reste sympa, quoi. C'est rigolo. Alors, pardon. Non! Mais attends, du coup, la boîte en carton, je peux pas l'utiliser pour entreposer des objets. Vraiment. Bon, bah, ça me fera une table. 20h27? Bah oui, c'est un screen. C'est un screen que j'ai pris. Offre des meubles à ta maison. Yes, ça me compte comme un meuble. Waouh! Aïe! Mais non! J'étais en train de me gratter le pied, j'ai tout simplement. Attends, je viens pas de faire ça quand même. Je dois être un peu stressé pendant les. Je viens littéralement de m'écorcher le pied, genre. L'araignée. Mais pourquoi je vois jamais les araignées? Attends, c'est où? J'en vois. Elle m'a rush. Putain, je me suis défoncé le pied. Je suis malade ou quoi? Genre vraiment, je me suis retiré toute la peau là. J'ai fait comment? Ah, je suis un fou. Putain, elle m'a défoncé l'araignée. Ok, là, je prendrai ma revanche. Ouais. Ah ouais, d'accord, je peux faire comme ça. Oh, c'est trop bien. Quand tu restes appuyé, en fait. Hop. Ok. Bon, on va essayer de trouver des araignées, hein. Ça va bien, là. Ces histoires. Il est toujours pas réveillé l'autre là? Je dois dire bonjour à tout le monde moi. Ben non, ça dort. Ça dort. C'est relou, ça dort. Les next steps. C'est rare. Bah ouais, les araignées, ça a l'air d'être. Pas rare, mais ouais, un petit peu. Putain, à la place, ça commence à me saouler là. Du coup, je prends plus rien, je fais plus rien parce que je me sens plein. Il y a des gens qui disent que. J'ai un inventaire dans ma maison, mais je vois pas d'inventaire. Hein. Dans la maison, pas dans la tente. Ah, ok. Marababa. Ou une armoire pour l'inventaire. Ok. Puis au pire, je peux remettre mon t-shirt aussi. Hop là. Ok.
plan de lance-pierre, ouais, c'est pas besoin. Le béaba du bricolage. Est-ce que c'est utile? Pousse de cèdre. Sac d'anémone, tout ça. Mouais, mouais, mouais. Non, mais je veux pas vendre les poissons, je veux les garder pour le musée. Mais non, mais je voulais vendre, attends. Je veux vendre, en fait. En fait, ça a induit en erreur parce que... Attends. Oui, en fait, ça m'a induit en erreur à chaque fois parce que achète, c'est pour lui vendre des trucs. Et vendre, c'est pour lui acheter des trucs. Les textes, je les trouve pas intuitifs. Merde, j'ai... Putain, j'ai confirmé. Ils sont pas rares, tu peux les vendre. Ouais. Ouais, je pense que je peux, ouais. C'est pas rare. La loge des temps, je pense qu'elle est pas rare en vrai. La limande, j'en sais rien. Elle est un peu plus loin dans le tableau, j'ai pas envie de la vendre. Ça marche. Alors Tom Nook, dis-moi quoi faire. La limande n'est pas rare, ok. Bon, je la garde, on sait jamais, on verra. Il reste la question de tes frais d'installation, gros bâtard. Ok, bon, vas-y, vas-y, je vais faire ça. Ok. Je vais chercher des miles, ça marche. Hop. Je vais me faire un arrosoir. Comment je peux ranger? Oh bordel. Comment je peux ranger mon outil directement? Flèche du bas. Veux-tu bricoler quelque chose? Oui, un arrosoir. Hop là. Marche pas sur les fleurs. Ok, ok, ok. C'est bon à savoir. Hop là. Un vrai petit jardinier, moi. J'ai tout compris. Tu peux marcher et courir sur les fleurs dans cette version. On verra. Ok. Bien. Ça c'est fait. Cherchons comment gagner des miles. Oh quoique là c'est bon en fait. Je suis à 4950. Putain, je suis vraiment tout près. Ah, il manque un poisson. Vas-y, un poisson et j'ai les miles qu'il faut donc. Let's go. Thank you.
Les poissons. Les poissons, s'il vous plaît. Juste un. Juste un seul. Évidemment, il n'y en a pas. Ah. Non. Trop loin. Je veux pas. J'ai appuyé, mais putain, c'est trop tard là. Quel bâtard. Pourtant, c'était pas mal. Hein. J'ai un peu attendu. Mais bon. Ça allait quoi. Oh, il est tout petit lui. Il est tout petit lui. Non, mais ça troll, comment je peux faire? Mais je peux pas en fait être devant lui. C'est bizarre ce système d'être devant les poissons là. Je ne peux pas. Maintenant c'est bon. Une clionne. C'est la femelle du clion. Il est bizarre comme poisson. Qu'est-ce que c'est ça? Il est exceptionnel. Exhibé. Trop bien. Et hop. On va rembourser Nook. Et bon, on va vite le rembourser, c'est pas mal ça. Bon, en fait, il y a toujours un papillon à côté de la tente, quoi. C'est terrible. Eh, j'ai pas dit qu'il était rare, hein. J'ai dit que c'était, il était bizarre. Moi je suis réglo, hein, je le rembourse. Ça se trouve il dit rien si on le rembourse pas, mais moi je le rembourse. Du coup tu me récompenses? Tu n'es pas allé trop dans ta tente? Si. Faut avouer. Oui. Oui. Leur est venu parler de bâtir des demeures personnalisées. Vas-y, vas-y, vas-y. Je sais à qui t'adresser. Bah en vrai j'ai envie là. Donne-moi ma maison. À propos de ma maison. Pour bâtir sa maison, il suffit de contracter un prêt de 98 minuscules clochettes. 98 000. Ça fait beaucoup, ça. Ça fait plus de 4 switches. La couleur du toit. J'avoue que je m'étais jamais posé cette question. Bleu. Non. J'imagine ma maison en bleu. Si j'imagine ma maison en bleu, de quelle couleur j'imagine le toit? Vert.
J'aime pas le rouge. Je vais aller complètement contre votre avis. Trigger. De toute façon, je pourrais la repeindre. Ce jeu, il est évolué, on peut repeindre sa maison, j'imagine. Tu profiteras des avantages Miles Nook Plus. Oh. Allez. Trop bien. Oui, tu peux changer. Et ben voilà. Trop bien. Période de capture. Oh, c'est dingue. Oh non. Franchement, tu sais quoi? Si je change pas la date de ma Switch avant un mois, bravo à moi. Parce que je suis vraiment le genre d'enculé qui va changer la date de sa Switch pour avoir des poissons. Je me connais. Hein. Je suis désolé. Hein. Je vais pas y arriver. C'est pas possible. Je peux... ça fonctionne plus. Si, ça fonctionne. Oh putain. Je crois que je vais devoir le faire. Je crois que ça va... Bah qu'est-ce qu'il a? Ouais. Oh là. Je sais pas, ça va être un choix important, mais je suis pas sûr de moi encore. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Miles Nook avec un plus. Tu es passé au niveau supérieur et tu peux désormais utiliser le service Miles Nook plus. Il est encore plus facile de gagner des miles au quotidien. Des avantages exclusifs. Ok. Pêcher un bar. Oh, des missions quotidiennes. Ouh là là. Attraper des insectes. Gagner des clochettes en vendant des objets. Pêcher des poissons. Dépenser des clochettes en achat d'objets. Bah... Ouais, ça va, hein. On va se faire des trucs, hein. On va juste se faire des trucs, je crois. Pardon, c'est un très mauvais lancer. Je m'excuse auprès du poisson, en vrai. Salut! Tu peux plus te passer de cette vieille Gertrude! Allez, on papote. Le Vivano. Rien à voir avec le Vivayes. Quoi? Ah oui, d'accord, c'est bon, je l'ai. Pouh, j'ai mis du temps hein, pour l'avoir celui-là. Trop de temps. Il y aurait pas un bar là? S'il vous plaît. Pardon. Pardon. Non. Bâtard. J'ai toujours pas compris. Le Vivano. Le Vivayes. Tu l'as?
Mais j'ai... Putain, faut appuyer vite. Putain, faut être chaud en vrai, faut que je me concentre. C'est bon, t'as envie de le prendre. Putain, j'essaie de me préparer à avoir le meilleur réflexe et je le fais trop tôt du coup. Allez, ça. Bon, par contre, lui, il a aucune chance. Aucune chance. Ouais. Ouais. Une perche jaune. Je peux te dire que là. Merde, j'ai pas lu la blague. Non! Je vois rien. Je vois. Connard. Qu'est-ce que tu fais? Tes déplacements sont étranges. C'est un bâtard lui. Il a trop cru lui. Un carassin. Vraiment une merde le carassin. Je le déteste. C'est un jeu de survie où tu meurs pas. C'est pas mal comme description. C'est pas mal. Un pneu! Trop bien! Oh, je le garde. Alors là, le pneu. Je dégage un Bernard. Sans hésitation. On pourrait réutiliser ce vieux pneu pour autre chose. Mais ouais, c'est sûr. C'est sûr et certain. Un jeu en pneu. On va aller le faire. Je sais pas à quoi ça sert, mais... Prépayé. Nice. Et ben voilà. Putain, ça débloque masse de titres à chaque fois, j'avais pas vraiment vu, mais... Un autre poisson, allez, là. Un autre petit poisson, ici, là. Un carassin. Ça, est-ce que ça compte? Vas-y. En 2 heures de jeu, il est déjà élu le pire poisson. Franchement, le carassin, il me vénère. Je t'avoue que le carassin, il me... Je vais le goumer. Vivano, perche jaune, vas-y, j'ai pas envie de les enlever, mais bon. Je les retrouverai à un moment, mais bon. En fait, ça dépend quand arrive le musée, quoi. Parce que j'ai pas trop envie de me faire chier à... Carassin, c'est giga nul, y'a pas de problème, mais... Je peux pas les donner à Tom Nook. Vends-les tous. Vas-y, vous êtes des oufs. Je vais les mettre par terre. Je vais les mettre par terre. Mais si on les laisse par terre, ils disparaissent pas. On est d'accord. Faites pas de blague, hein. Chez toi. Ouais, j'ai pas beaucoup de place. Vous êtes un peu des oufs. J'ai pas beaucoup de place.
Des miles. Brim. Attraper des insectes. Attraper un Bernard l'ermite. Facile. Non, je sais que j'ai rien attrapé de rare, hein. C'est pas ça le problème. Juste que bon, si je les ai, autant les garder quoi. Mais... Pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Tada! C'est pas ça que je voulais faire. Merde. Putain. Parce que là, si je le mets là, ouais, voilà, tu vois, j'ai plus la place. Par contre, ça fait un joli aquarium. Un jeu en pneus. C'est quoi ce bordel? Super ce jeu en pneus. Voilà. C'est un aquarium. Merde. J'en ai marre de l'exposer. Bien, on respire un peu. On respire un peu, c'est pas mal. Il faudrait un bar. Je le contrôle pas. Ça se fait tout seul. Putain. C'est pour ça que je vous ai dit que j'allais avoir pas mal de miles. Hein. Ça va vite, hein. C'est... Ça va vite. On va prendre à Bernard l'ermite. Tac, 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 tac. Tu as pas moyen d'agrandir ton sac? Si, je pense, mais peut-être pas maintenant. Je crois que pas maintenant. Hop là. Putain, il y en a plein en fait. Prends une photo souvenir, vas-y. Si tu veux. Je vais faire tellement de photos. Le Vivano, c'est 3K. Nice. Revendre des mauvaises herbes, tranquille. Échanger des miles nook, dépenser des clochettes. Gagner des clochettes, attraper des insectes. Okay. Pardon. Ce que j'ai pris là, ça compte comme des mauvaises herbes uniquement, genre ça. Ouais, ok, d'accord. Ça coûte 5k miles pour agrandir le sac à la borne. Ah, c'est très intéressant ça. Bah, je pense que ça va être notre next step. Hein. Ça va être la next step là. Moi, je veux agrandir, je veux totalement agrandir mon sac. Hein. Donc, on va économiser. Ce qui n'a aucun rapport avec éliminer. On va économiser 5000 miles et on va agrandir l'inventaire. Ça va être un giga kiff. Le bruit du vent, quel plaisir. Ouais, c'est pas mal, hein. L'ambiance sonore est cool. On
on va éliminer Tom Nook. Ouais, si tu veux. Qu'est-ce que je voulais faire? Les Miles. Vendre les mauvaises herbes. On va vendre. Nanana. Merci Winin, merci Orito, merci Belzy, merci Nietzsche. Nice. Merci Didi Pro, merci Speedrid, merci Asa, merci Coconuts. Merci Florian Jacques, merci Monsieur Giggs, merci Vince le SDF, Upper Star. Évidemment, on économise aussi pour la maison. Au final, ce sera ça l'objectif. Je suis fatigué, mais je ne faillirai pas. Allez, il est 2h39 là. Ça va, ça va. Ça passe. Les mauvaises herbes. 44 mauvaises herbes. Ça peut aller vite les mauvaises herbes. En vrai, ça va se vendre quoi, 440 là? En vrai, tu peux farmer les mauvaises herbes. Hein. C'est pas... pas mal, hein. Vous voulez que je dépense 500 miles sur mon truc? On va voir s'il y a un truc qui nous plaît. Tu pars quand au Canada? Bah pour l'instant je pars pas vu que... normalement en juin, mais on verra. C'est utile les guides, j'imagine. Putain, trop bien tout ça là. C'est excellent tout ça. C'est quoi un ticket Miles? Utilise ce ticket pour participer à une escapade un peu spéciale. Ah, c'est pour aller sur l'autre île là? Ça, c'est très bien ça. Je pense qu'il va falloir que je... est-ce que c'est que cosmétique? Le sac à dos? Ou c'est vraiment un sac à dos qui sera plus grand. Je pense que je vais économiser pour avoir le ticket. Mais je pense que je pourrais effectivement le faire que demain. J'ai envie d'acheter une musique de Kéké. C'est une musique? J'ai vraiment envie de l'acheter. De toute façon, faut que je dépense des clochettes là. Pantalon, paire de petits mocassins, savoir s'organiser sur la borne pour agrandir l'inventaire. Tiens, tiens, les bons conseils. Et ta maison? Ouais, t'inquiète pas, ça va le faire. J'ai eu un petit coup de faiblesse, mais c'était pour en plus, je vais gagner des miles parce qu'il faut, ça, faut que je dépense. Ok, 5000 pour agrandir l'inventaire.
Donc l'objectif c'est 5000 miles. Mais pourquoi j'avais besoin de 5000 miles encore? J'ai dit que j'avais besoin de 5000 miles, non? Pour un truc. Trop de dépenses, trop de choses à faire. C'était pour ça. Ok, c'était pour ça, t'as pas de soucis. Gagner des clochettes en vendant des objets, gagner, dépenser en achat d'objets, ok. On va attraper des insectes aussi. On va couper du bois. Ça, je peux le faire, y'a pas de problème. Coupons du bois. Tu vas arrêter le live vers quelle heure? Je dirais peut-être 4 heures. Je dirais 4 heures. Mais je vais relancer demain quoi. Hop là. Vendre des coquillages, easy. Ok. J'en avais encore. J'ai fait des emplettes. Baroudeur. Ok, donc j'ai 3000 miles. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte, on est pas mal, on est pas mal. Ça va. Non, il me faut des coquillages. Di-di-di-di-di. 3 coquillages. Et c'est tout. Est-ce qu'il y avait un truc à faire avec la pêche? À la limite, pour un peu d'argent. Merde, j'ai pas du tout regardé. Voilà, on a un coquillage. Comment on a du bois tendre? Tu coupes les arbres avec, avec ta hache. Ça va sortir du bois tendre. Je te le promets. Une bouvière. C'est pas la femelle du bouvier. Probablement pas. Remplis-t'un. Il manque quoi pour construire ta maison? Bah là il me manque 90 000 balles. Tout simplement. Hein. En toute simplicité, 90 000 balles quoi. Allez! Non, les 90K c'est pour la rembourser, c'est vrai. C'est vrai, mais du coup, pourquoi il lance pas le chantier? Il a lancé le chantier? Je sais plus. Putain, ma canne à pêche. Demain. Ouais, d'accord. Ouais, ça va être demain. On verra demain du coup. Mais demain ça veut dire quand?
Comment ça se passe dans le jeu? Quand il va faire jour? C'est demain à 5h. Du mat, vous savez pas trop. Enfin, j'ai hâte de découvrir le reste de l'île en vrai. Ça va être rigolo. Si je vais dormir, ça fait quoi? Il y a tellement de mauvaises herbes ici, ça va pas du tout. Je vais nettoyer un peu devant chez moi. Merci beaucoup Fonzi pour les 5€. C'est gentil. Ça. Et merci Raycaster et Zyriel Dayswin. Bah d'accord, ça fait rien. Le jeu, tu me l'offres? Bah demain, je donnerai un code pour Animal Crossing demain sur mon stream de demain. Mais pas ce soir. Oh putain, je suis trop con. Ok, je vais vendre ma godasse. Crave-toi une perche. C'est-à-dire une perche? C'est pas dans mes plans ça. Perche? Pourquoi vous me dites de crafter une perche? Pourquoi vous me dites de crafter des trucs que je peux pas crafter? C'est pas très sérieux comme truc ça. Bon alors, qu'est-ce que je vais foutre maintenant moi? Et lui il est toujours pas levé là, il me vénère. L'autre il vit la nuit, c'est le boss. Mais bon. Il est gros celui-là. Celui-là il est gros. Je vous le dis. Oh c'est un bar, c'est de la merde. Oh ça pue la merde. Oh je suis dégoûté, il était gros. Oh ça dégoûte ça, franchement putain. La taille ça veut rien dire, hein. Putain. En fait il peut y avoir des rares sur n'importe quel type de taille quoi. Si je comprends bien. Hein. Mais c'est très bien les barres. Non. C'est de la merde. Il est vicieux celui-là, hein. Mon salaud, va. Qui t'es, toi? Un carassin! Tiens donc, je te trouve bien vicieux pour un carassin, toi. Tu fais trop le malin, je trouve.
Ah le bâtard. Lui aussi il est vicieux. Probablement un carassin. Pourquoi il est pressé? Putain, vous dégoûtez, c'est toujours les mêmes, je vous déteste. De toute façon là j'ai dû faire le tour des poissons du moment. Hein. Moi bon, j'ai fait le tour hein. Bon je vais faire celui-là aussi mais... Un petit effort, merci. Jaune évidemment. Évidemment. Oh, un bar. Une vandoise. On connaît la vandoise. Je prends des poissons, je sais pas quoi faire, du coup je prends des poissons. Je vois rien, je peux pas, c'est débile ce truc. Je peux pas. Attends, je peux bouger la cam ou pas? Je peux faire ça à la limite. Mais je peux pas faire à gauche ou à droite. Je peux faire que ça. Ok. Merci à Oki et mon bro. Merci à vous. Le gobi, le retour du gobi. Vous avez manqué. Mais d'or. Mais quoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Ouais, mais la chasse aux insectes, je sais pas où ils sont les insectes, j'en vois pas beaucoup. Eh, c'est une bouvière ça. La bouvière, je l'ai mise tout à l'heure devant chez moi, c'est bon. Un cadeau? Faites pas attention, mais il y a un cadeau quand même. Hein. Il y a un cadeau par contre. Hein. Lance-pierre. Il me faut un lance-pierre. Il me faut un lance-pierre. Comment je fais? Vas-y, j'en sais rien là, j'en sais rien. Vite, 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 il me faut un lance-pierre. Oui. Oui. Fais-le. Do it. Lance-pierre. J'ai pas le plan. Direction la boutique. Oh non. Donnez-moi. Oh, laissez-moi rentrer là. Oh non. Je m'en fous, je... Non! Il va disparaître. Vas-y, je prends le plan alors. J'ai perdu, tant pis. Ah, je suis dégoûté, j'ai perdu. Je suis au bout de ma vie. Je suis deg. Je suis au bout de ma vie. J'ai envie d'arrêter de jouer. J'ai raté mon cadeau. J'ai raté mon cadeau, j'ai envie de mourir. Bah ouais, je veux des trucs. Évidemment que je veux des trucs. Je veux des cadeaux, putain. Je suis au bout là. Je suis au bout, t'entends? Putain de toi. C'est pas grave, on aura d'autres cadeaux. Ça arrive pas souvent. Arrêtez! Arrêtez là! Putain.
Ouais, je veux encore t'acheter des machins. Je veux t'acheter ça, le béaba de bricolage. Je sais pas ce que c'est, mais j'en veux. J'achète. On va voir ce que c'est. Oh, il me les a donnés en Bluetooth. Quel boss. Alors, qu'est-ce qu'il m'a donné, lui? Tu m'as donné des plans, là? Wouah! Un ocarina! Vous rendez-vous compte? C'est fou ça! Je suis content. Pas mécontent, vous voyez? Ah, j'ai pas appris mon plan. Quel con. Attends. J'ai acheté un plan de lance-pierre. Je l'ai pas acheté. Parce que j'avais pas la place. Ok, j'étais sûr de l'avoir acheté, mais pas du tout. Par contre, j'ai acheté le béaba du bricolage. Voilà. Parfait. Bon voilà, une fois qu'il y aura un cadeau, j'aurai un lance-pierre, voilà. C'est tout. Bon allez, je vais essayer d'y retourner, mais on sait jamais. On sait jamais. Si ça se trouve, le temps s'est arrêté. Vous sentez comme c'est mort? Sa mère. C'est mort. On s'est fait baise. Oh, pardon. Petit poisson d'eau salée là. Ça, ça part. Hop là. Excusez-moi. Celui-là est extrêmement rare. Il est énorme. Un bar commun. Il est énorme. Ça c'est extrêmement rare par contre. Le bar commun. Oh putain. Non, non, c'est extrêmement rare le bar commun. Vous êtes complètement con. Hein. Je vous le dis. Hein. Canne à pêche. En fait, je veux une meilleure canne à pêche. Je veux trop de trucs en fait. En fait, il y a trop de trucs. Il y a trop de trucs. J'ai besoin de beaucoup de choses.
On n'a pas fini en fait. Mais il me faut des insectes. Et ça c'est pas donné. Oh, toi. Toi tu m'aguiches. Celui-là est assez rare. C'est la bouvière. C'est pas du tout la femelle du bouvier cependant. Alors ça c'est un bar. Donc ça, vous voyez, si vous avez des doutes, ça c'est un bar. Et pas commun, juste un bar. Et c'est, vous voyez, c'est un fils de pute. C'est un bar. Non, Gougou. Un bar. Tiens, comme par hasard. Faut bien te faire mettre. Ça par contre, alors ça c'est relativement rare. Ça c'est une bouvière. Ça se trouve pas partout. Hein. Merde, on saura jamais, il était extrêmement rare, c'était pas une bouvière. Il était ouf celui-là. Celui-là, c'est le poisson que tu trouves une fois dans ta vie. Ah, par contre, ça c'est un poisson qu'on a encore jamais vu. Et c'est là où c'est intéressant, vous allez voir. Une limande. Ça c'est quelque chose hein. On n'en trouve pas tous les 4 matins hein. Si. Alors regardez, la prochaine prise elle est rare. Elle est... La prochaine prise en vrai c'est quelque chose hein. Oh lui là-bas lui. Allez, la revanche, c'est pas une bouvière. C'est pas une bouvière. Non, c'est pas une bouvière. C'est ta mère, j'ai appuyé. Pardon, excusez-moi. C'est un jeu de la détente. Faut se détendre. Oh, j'adore les bars. J'adore les bars. C'est un truc, ça me... Bon, la bouvière. Allez, la bouvière, là. Oh là là, c'est un gobi. C'est un gobi GT. Mais les insectes, il n'y en a pas beaucoup. On est d'accord, hein. Ôtez-moi d'un doute, hein. Ça, c'est un bar commun. What the fuck? C'est un calmar, c'est commun, pas du tout. Vous n'y connaissez rien, c'est incroyable. Oh, vous êtes à la ramasse, hein. C'est un calmar. Alors ça c'est... Voilà, ça c'est... Je suis pas sûr d'en trouver un autre en Mars, quoi. C'est vraiment pas sûr, on n'est pas assuré de ça. Oh là 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 là, le butin. Mais non, un chinchard. Plus cabochard que pétochard. Alors ça c'est un peu plus commun mais ça fait plaisir. On va échanger. On va échanger avec
J'ai pas mal de mauvaises herbes, ce serait dommage. Je suis prêt à laisser une bouvière. Je suis prêt à laisser un bois dur. Je suis prêt à faire ça. T'es pas fatigué? Mais non, là, ça, je suis à fond. Ah, oh, t'es un ouf. Merci Raycaster pour les 400 bits. Merci beaucoup. Alors, on avait dit que le chinchard, on n'avait pas. On avait dit que on n'avait pas. En vrai, le bar commun, on l'avait pas encore eu. Hein. Ouais, oh, il est. Dis donc, doucement le bar commun là. Et. Le calmar. Cadeau. Quoi? Quoi? Où ça à droite? Cadeau dans les airs. Où ça? Comment je fais? Comment je fais pour l'utiliser? Ah, je comprends pas. C'est chiant. C'était sûr. C'était sûr. Ah, c'est pas rare du tout en fait. Tranquille. On s'en bat les couilles. Attraper un Bernard l'ermite. Encore. Ok, 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 du coup. Bien. Est-ce qu'il y a des Bernard l'ermite? Autant faire ça. Ah, par contre là. Ya. Yeah. On va aller vendre un peu là parce que ça suffit. On dirait un redneck au Texas qui garde plein de poissons devant chez lui. Je sais pas, mais moi ça me plaît bien cette décoration là. J'adore la bière chaude. C'est délicieux. C'est meilleur comme ça. Donner mes poissons à Nook pour le musée. Par contre toi. Attends. Si j'ai bien compris, quand je rentre chez Tom Nook et que je ressors, j'ai un papillon. Je peux donc farmer les papillons. Trop smart. Non mais je vous dis ça parce que j'ai un objectif. Hop là, attraper des insectes. Et ben voilà, c'est tout. Brainhead. Planter des arbres. J'ai pas envie. Je sais pas comment faire. J'ai pas envie, c'est tout. Les fruits de la mer. Bigorneau des fonds marins. Nice. Maître pêcheur. Tu devras pêcher plusieurs poissons d'affilée sans en laisser s'échapper un seul. Wouah, faut être chaud. Ok. Ah, c'est genre si t'en attrapes deux d'affilée, ça le rajoute à ça, je pense.
On est presque à 5000. Attention. Voilà. Un cadeau tombé à l'eau. 500 miles. Je l'ai fait exprès. Je l'ai fait exprès. Vous étiez là. Oh non, t'es trop con. Je l'ai fait exprès. Décorateur d'extérieur. Mettre des poissons extérieurs. Oh non, c'est moche. Je l'ai fait exprès, d'accord. Bon. D'accord. Vous arrêtez maintenant de critiquer les choix les plus intelligents. Tout est maîtrisé. C'est méga smart. Et là, je vous le donne en 1000. On va acheter un truc incroyable. Êtes-vous prêt? Attention. Et on a un cashback. Hein. On a un cashback parce que quand on achète ça, on récupère une mission sur les miles. Allez voir, c'est pas 5000 en fait. Bon, ça fait mal au cul de donner 5000 miles, mais c'est pas grave. Et là. Ah, d'accord. Tu as tout compris. J'ai tout compris. Tu as appris quelques astuces pour optimiser la place dans tes poches. Tu peux y ranger plus de choses. Suspense. Pas mal, pas mal. J'aurais espéré le double, mais ça me plaît. Ça me plaît. Vous savez, on avait un problème et on l'a résolu. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'on s'est donné. Et là, le cashback. Franchement, ouais, on s'est donné. On s'est donné. Bien. Que faire maintenant? Alors là, du coup, que faire? C'est moi qui laisse. On laisse pas ses déchets sur la plage. C'est combien pour avoir une meilleure canne à pêche là? Vous avez dit 2000? Je crois. Okay. Ok. Donc ça c'est une... c'est une... un truc jaune là. Putain, j'ai failli dire que c'était une bouvière. Hein. Je suis dégoûté. Depuis tout à l'heure, je dis que c'est des bouvières, c'est pas des bouvières. Ah là 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 là, ça c'est dur. Coup dur là. Putain, mais le nombre de poissons qu'il y a devant chez moi, c'est ridicule. Reviens! Reviens toi! Eh! Eh! Eh mec! Mon pote, mon grand pote. Eh mon grand pote. Ok, je t'emmerde. Comment tu fais pour changer d'outil rapidement avec le D-pad? Avec le joli D-pad. Ok, je t'emmerde. Vous êtes tous nuls là. Eh là, dis donc. Dis donc là. Tu le vois, tu le vois. Oh là là. Je vais péter un plomb. Je vais péter un plomb. Arrête d'avancer! Ah! Merci Demon Cat. Voilà pour toi Demon Cat. Un logo bid GT d'eau douce. Bam. Merci Chapousse. Merci ouais, merci. Alors Oui. Au revoir Merly. Putain, c'était trop bien ce live avec Merly là. Les vrais savent. Merliche. Alors ça c'est un bar commun.
Eh, la canne à pêche, vas-y, je ne refais pas une canne à pêche avant d'avoir une vraie canne à pêche. Parce que là, je vais péter un plomb en fait. Je vais péter un plomb et ce sera dommage. Alors, que faire pour avoir des miles? Il nous faut des miles. On veut des miles. C'est important. Eh, encore un insecte et on a des miles. Par contre, on peut pas parler aux gens parce qu'ils dorment, les gens. Le plus d'insectes possible, il n'y a pas beaucoup d'insectes. Pêcher des déchets, encore un déchet et je peux... Ok. Dépenser des clochettes. Mmh. Les cadeaux. Ouais. Je suis un peu dans la merde, hein. Je suis un peu dans la merde pour arriver à 3000, là. C'est pas facile. Achète des fleurs et plante-les. Non, il faut planter un arbre. Faut planter un arbre et je suis pas sûr que... Il a pas des graines de... Enfin, des trucs pour faire pousser un arbre, lui. Pousse d'arbre. On va planter un arbre. Je plante un arbre. Des pensées blanches. Le béaba du bricolage, c'est pour avoir d'autres trucs? Ou c'est la même chose? Parce que je l'ai déjà acheté, mais... Une chaise de plage. On va peut-être pas le faire maintenant. Ça marche. Et toi, tu veux quoi, en fait? Tu sers à quoi, toi? Ok. Ok, ça marche. Il n'y a pas de problème. Merci Tomito17 pour les 5 mois. Merci Demon4 encore. Chapousse. Merci à vous. Eh ben, je tourne un peu en rond, hein. Écoutez, je sais plus quoi faire. Est-ce que c'est comme ça, Animal Crossing? Genre, au bout d'un moment... Au bout d'un moment, tu faut juste attendre la suite, quoi. Le lendemain. Eh, mais putain, mais donnez-moi mon... C'est comme ça plutôt. Du coup, il n'y a pas moyen de faire des longs lives, quoi. C'est pas vraiment le mood. Putain, j'ai chaud. Pourquoi j'ai chaud? Il fait super chaud. Change l'heure de la console. Ah, mais je sais pas si j'ai envie de faire ça. Je suis pas sûr d'avoir envie de le faire. Ça me perturbe. Plus tard, si, mais là, c'est le début. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que le début est un peu forcément. Voilà. Mais ouais. Je pense que forcément... Non, mais pour l'instant je vais respecter et puis on verra. J'ai plus de canne à pêche. Pour l'instant je vais respecter, on verra plus tard. Voilà, je sais plus quoi faire. Je peux construire des trucs, mais. J'ai arrosé mon atelier. Ouais, mais le ticket je pourrais l'utiliser que demain, je crois, même si je l'utilise, je pourrais l'utiliser que... enfin même si je l'achète, je pourrais l'utiliser que demain. Je vais faire un abri à oiseaux parce que je me demande s'il y a des oiseaux qui vont venir et ça va être cool.
The Lover Sea, en fait, je capture le jeu et je l'affiche sur mon écran de PC, ouais. C'est cela. Tabouret en pierre, écoute, j'utilise pas mes pierres, du coup c'est bien. Je peux craft un autre truc? Des piquets. Les pierres, c'est pour le lance-pierre. Malin! En vrai, j'avais pas pensé. Malin. On va mettre. Le tabouret en pierre, on va le mettre. Là. C'est trop moche, mon. C'est vraiment trop moche chez moi. Merde, j'ai bougé le son. Je me suis entendu très fort d'un coup. Abri à oiseaux. Alors l'abri à oiseaux, c'est évident. C'est là. Ah ouais, putain, ça dégoûte. On va le mettre là. Merde! Ah non, je l'arrose! C'est drôle. Abri à oiseaux. C'est mignon. C'est moche? Non, c'est moche, mais c'est pas grave. Et ça, je sais pas où le foutre, du coup, je... Pour l'instant, j'entrepose, hein. C'est vraiment... c'est la foire fouille, là, on sait pas quoi foutre. Hop. J'en sais rien. Voilà. Salut. Voilà, c'est bloqué. C'est un système de sécurité, on peut pas aller par là. C'est bloqué. Hop là. Pêcher des poissons. Ah bah. Hein? Ah bah bravo. Plante des arbres. Ouais. Bon, de toute façon, les missions du jour, c'est toujours les mêmes et elles se... Voilà. Donc je vais pas en faire mille, mais... Tu vas pousser, oui? Je t'ordonne de pousser. Putain, je suis bloqué, j'ai pas la hache, bordel. Oh, je sais plus comment j'ai fait la hache, mais c'était pas trop compliqué. En vrai. Vas-y, je sais pas quoi foutre. Je fais des trucs, mais genre j'avance pas en fait. Enfin, si j'avance, mais c'est. Si en fait, c'est du farm quoi. Je fais du farm là. Et pourquoi pas, hein? Mais je fais juste du farm pour acheter des trucs en fait. Pour acheter des trucs genre meilleur équipement et tout. Donc j'avance, en soi j'avance. Mais bon. Attends, je vais bientôt perdre ma hache, je le sens. Mieux vaut attendre demain. Non mais je vais pas tarder, mais je continue un tout petit peu. Mais je vais pas tarder, ouais. Comme ça demain sera mieux. Enfin j'aurai des trucs à faire, d'autres trucs à faire. Mais ouais. Chasse la tarentule, mais je suis dégoûté parce que la tarentule du coup on en a pas retrouvé, hein. Ça dégoûte un peu ça. Plante des graines de fleurs, je l'ai fait tout à l'heure, gros bâtard. Ah bah continue. J'ai amélioré l'inventaire déjà. Je l'ai fait, ouais. Œuf frais. Trop bien! Putain, mais les titres, ils sont insane! Œuf frais. Incroyable. C'est fou. Merde. Je vais me faire karma par les abeilles. Obligatoire. Si je leur mets un coup de filet aux abeilles, ça fonctionne? Ou pas? J'ai un doute. Oui. Ok, ça peut se tenter. Vous me donnez envie, vous me donnez envie là.
vous me donnez envie de faire un truc là. Je vais risquer ma vie. Vous le savez très bien. Je vais pouvoir faire un remède et tout le bazar. Alors attendez. Attendez. Non mais attendez là. J'ai trouvé un lit à mezzanine avec bureau dans un arbre. Mais non. Mais non ! L'insane ! Il est incroyable ! Je vais le mettre chez moi. J'aurai jamais la place. Incroyable ! Ça arrive ça ? C'est quoi ce bordel ? J'ai trouvé des chiottes. Bah la chance. Eh mais je vais farmer les arbres moi, j'en ai rien à foutre. Pog. Pog fucking champ. Trop bien les arbres. J'ai trouvé une tarentule dans un arbre, elle m'a piqué, j'ai fait un malaise. Excellent. Moi j'ai trouvé une tarentule par terre, j'ai essayé de l'attraper, elle m'a piqué, j'ai fait un malaise. C'était bien aussi. Le truc il défonce le toit de la tente. Ouais j'avoue, non c'est pas hyper opti. Tintin. Je voulais faire une canne à pêche hein, par contre. Hein. Mais bon, il n'y a pas de poissons rares, ça suffit. Faut qu'on arrête de me mentir. En vrai, est-ce qu'il y a des poissons rares là? Je crois pas. Je crois pas. Franchement, vous m'avez menti sur beaucoup de points, dont les poissons rares. Hein. Il n'y en a pas. Hein. Genre, arrêtez tout de suite, en fait. Je sais très bien que vous mentez, en fait. Donc, Bien sûr que si. Non. Non, il n'y en a pas. Le vivano est un peu rare. Mais j'en ai déjà un, mais vous êtes trop... Vous croyez trop que j'ai pas eu de vivano, en fait. Alors que j'ai tellement eu vivano, j'en ai. Je sais plus quoi en foutre. Des branches d'arbres. Merde, je viens d'utiliser mes branches d'arbres. Non. Putain, mais c'est vraiment le bordel dehors chez moi, ça n'a aucun sens. Oh. Je veux t'allumer. Oh là, attention, c'est pas prudent de faire ça. Obligé de faire ça là, je suis obligé. Il faut que je me crafte une canne à pêche. On en est encore là, on galère. Je veux une canne à pêche. Help. Help. Thank you. Ouais. Au travail. Canne à pêche. Ah, j'ai le droit à un bonbon là, j'ai fait plein de trucs. Bon, vas-y, alors est-ce que je m'arrête là et j'attends demain? Peut-être. J'ai plus grand chose à faire.
On raconte qu'un plaisantin s'amuse à cacher des meubles dans le feuillage des arbres. Eh ouais, mon gars. Je crois que je vais m'arrêter là. Go 4h. Ouais, mais non, mais moi je veux bien aller jusqu'à 4h, mais je sais pas quoi foutre. Je vous assure, je sais pas quoi foutre. Ah, je peux arriver à 3000 miles. Ou alors je garde mes 2000 miles pour acheter un ticket demain. Plus smart. J'ai pas besoin forcément de payer ma canne à pêche maintenant. C'est pas nécessaire, je peux juste farmer du bois et me faire des cannes à pêche à chaque fois. Non, je suis pas fatigué, non. C'est pas ça le problème. Mais par contre, je pense que je vais économiser mes 2000 miles pour le ticket demain. Je pense que ça peut être une bonne chose. Tu vas te barrer, c'est ça? Évidemment. Par contre, tu sais quoi? Tu m'as saoulé. Putain, ce que c'est chiant de trouver. J'ai plus de filet? J'ai plus de filet? Où est-ce que tu l'as foutu? Bah ouais, je me pose la question. J'ai pas de filet. Branches d'arbres. Je vais les niquer, j'en ai marre de prendre des branches d'arbres. Vous m'entendez? Ouais, je crois que vous m'entendez, ouais. Ça va, ça va, ça va, ils sont sympas. Il s'est cassé. Tarentule. Non, mais en plus j'ai pas de filet. Pourquoi je vois jamais les tarentules par contre, c'est un problème. Elle est où? Dites-moi où elle est. Je vais aller la chercher. À gauche. Non, casse-toi, 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 casse-toi. Genre par là? Non, c'était pas par là. Genre par là. Bon, elle est partie, quoi. Non, c'était pas ici. Putain, la tarentule, ça me dégoûte. Je suis deg. Je voulais une tarentule. Oh, j'ai pas de tarentule, quoi. Je suis deg. Oh, mon arbre, comment il a poussé sa mère. Pas du tout. Bah c'est pas grave, tant pis. Je me suis fait avoir. Putain, ça c'est chiant. Ah non. Bon, d'accord. Je sais pas quoi en faire, du coup je le mets là, mais... Les tarentules coûtent 8000 clochettes. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. Non. Alors, comment ça marche? C'est une blague. Bah, ça marche comment en fait? Ok. Bah, c'est bon. Pas de panique, j'ai pas paniqué. Paf! Cadeau. J'ai un cadeau. J'ouvre mon cadeau.
Un bateau bouteille. Sympa, ça peut faire plaisir. Pardon. Ça fait plaisir. Donnez-moi une tarentule là, je vais déprimer après. Tintin. Bah je tourne en rond, j'ai fini. Hein. Je crois bien que j'ai fini les enfants. Il y a plus de tarentule, il y a plus rien. Oh non, j'ai fait fuir un poisson extraordinaire. Ça, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Alors là, c'est... Ah, c'est bon. C'est bon, c'est un rare celui-là. Heureusement. Très rare. Vous voyez, je vous l'avais dit, un calmar. Très rare. Pardon, je t'ai brusqué. Je sais pas pourquoi j'ai appuyé. Tu peux faire pousser des sacs de clochettes dans les arbres en enterrant des sacs de différentes valeurs. Ah, intéressant. Non. Ça c'est une bouvière. Hein. On connaît la bouvière. Oh là là. Excellent. Encore une bouvière? On se fait plaisir? On se fait un petit plaisir, un petit kiff. Ça prend combien de temps à construire le musée? Ça prend visiblement un jour, hein. Mais peut-être plus, j'en sais rien en fait. En vrai ça peut être plus. Oh ça c'est un bar, ce serait vraiment excellent qu'on attende 1000 ans que le bar il se retourne. Ah ouais, il a même pas envie de venir en plus. Salaud. Tintin. Merde. Ah non, j'avais réussi, putain, j'ai eu de la chance. J'ai appuyé tellement. J'adore les carassins, c'est vraiment exceptionnel. J'ai envie d'en trouver un rare. J'ai envie de trouver un poisson rare. Ça me plairait. Ça me plairait beaucoup. Mais bon. Je pense qu'on va attraper seulement des bouvières. Je pense que ça va être le thème de la soirée là. Merci quand même. Ça fait plaisir. Pêcher une loge d'étang. Facile. Facile, trop facile pour moi. Alors là, on va pas le trouver ici du coup, mais. Une loge d'étang, mais. Ça... Oh non, je l'ai fait fuir, mais quel. Alors toi par contre, oh, j'adore les bouvières. Non, ma bouvière. C'était une loge d'étang en plus, je suis sûr. Je suis dégoûté. Ça va pas du tout. Faut alors level up sur la pêche. Hein. Pas bon ça. Pas fier. Ah, toi, incroyable. Un bar. Vous ici. Plaisir. Et là, un bar.
excellent, quoi. Alors toi, ça c'est pas un, c'est pas une Bouvière. Non, c'est pas Bouvière, c'est un autre truc. C'est pas Bouvière, ça, je reconnais. Par contre là, c'est la pire pêche du monde. En même temps, c'est vraiment pire situation. La loge des temps. GG. Angus Luigi avec Hall. GG à toi. GG à toi, franchement. Rien à dire. C'est 300 miles dans la poche. Et je crois que je vais dépenser pour la canne à pêche, putain. Je crois que je vais devoir dépenser pour la canne à pêche. Je suis désolé. Hein. Une petite Bouvière avant de partir. C'est pas désagréable. Je suis un connard. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Il me faut un Bernard l'ermite et après on va acheter une canne à pêche. Revenez les Bernard l'ermite. Ah les bâtards. Ils reviennent pas. Par contre toi, les spécimens marins, j'en ai pas énormément non plus. Donc ça peut le faire. C'est pas si bête d'en prendre ici. Ouais, mais ça je l'ai déjà. Bon, on va aller. Oh, mais c'est un bar, hein, on le sait, de toute façon. On va arrêter tes conneries. Si c'est un bar, j'arrête de pêcher, promis. J'arrête de pêcher pour toujours. Pas de soucis. Je la relâche tellement il m'a saoulé. Je lui laisse kiffer sa vie. On va vendre. Et peut-être qu'en vendant, on peut avoir des miles et acheter la canne à pêche. Y'a moyen. Y'a moyen, y'a moyen. Alors. Oh là 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 là. Oh, y'a du monde. Y'a tellement de monde ici. J'ai envie de lui vendre mon lit. Je sais pas si ça vaut cher. Mon lit de camping. J'ai envie de lui donner. Ça m'est complètement inutile. Eh bé. Ça peut faire des thunes. Hein. Ça peut faire des thunasses, hein. Let's go. Je rêve ou est-ce que ce serait? Je vais donner un truc rare. Quel bâtard, il m'a bait. J'ai le seum. 7180 clochettes. Le lit. Ouais. Pff. Mon lit à la limite, mais j'ai un lit superposé donc en fait c'est plus stylé quoi. Donc ouais. Donc ça va, hein. Hop là. Je vais avoir une belle canne à pêche. Une belle canne à pêche. Mais je comprends pas trop les... Échanger des miles nook et nook shopping. Je comprends pas trop la différence. Étrange. Expliquez-moi. Vous n'avez qu'à m'expliquer. La monnaie est différente. Je suis un connard. Pardon. Je m'en veux, vous savez. Les plus belles colorations, on a qu'à prendre ça pour 3000. Fabriquer de bons outils, ça doit être ça, c'est ça, hein, évidemment. Fabriquer de bons outils.
C'est bien ça. Tu vas devoir utiliser du métal. Oh non. Donc ça sert à rien ce que j'ai fait. C'est pas grave, demain matin je vais me lever et je vais farmer 2000 clochettes. Et j'achèterai mon ticket. M'en fous! M'en fous! Donc là, vous êtes en train de me dire, oh, elle est, ah oh, ça va, c'est une pépite de fer, non mais ça va, tranquille, une pelle. Il me faut des pépites de fer. Ok. Je sais. Allez, c'est parti, on va chercher des pépites de fer, mais il y en a pas énormément des pépites de fer, hein. C'est pas le truc non plus qui... Sérieux? Vraiment? Ah ouais, non, mais là par contre, ça commence à devenir complexe, là, s'il y en a même pas ici. Ah mais non! Ah non, mais là par contre... S'il faut attendre... S'il faut attendre que ça refile... Ah non, mais non, mais non... Ah non. Mais je vais péter un plomb là. Faut que tu manges. Ah, vous voulez que je mange? Ah ouais. Je m'en fous, moi je peux manger hein. Regardez, regardez-moi ça. Regardez ce qui va se passer. J'en mange un. J'en mange. Deux. J'en mange. 3. De l'argile. Alors, à la fois c'est bien, à la fois vous m'avez baisé. Parce que j'ai plus de pierre. Enfin, je peux plus la farmer la pierre. Enfin, j'en sais rien, elle va repop, j'imagine, non? C'est pas mal. Bon. Ça doit être bien. De toute façon, demain, je vais prendre un ticket et je vais partir sur une autre île. Voilà. Donc ça va. Par contre, je vais bouffer tout ça là. Je peux pas en manger plus à la fois. Chier. Ça sert de bouffer, de se mettre à 10 riz sur 10? Ou pas du tout? Et là, ça m'a juste donné une pierre. Aïe 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 aïe. C'est pas ouf ça. Donc là, j'ai plus de pierre sur mon île. Et je peux pas trouver de pépites de fer. Est-ce que je suis dégoûté? Un peu. Un petit peu. Ça spawn pas? Bah, ça va spawn, mais quand? Genre demain? C'est abusé. C'est abusé que ça... Genre ça, ça peut pas donner ça. Ça dégoûte. Non mais vraiment, genre... Si ça repop demain, genre... C'est le bordel, quoi. C'est le bazar d'attendre autant pour une pierre. Enfin bref, on verra demain. Logique de jeu mobile. Ouais, c'est un peu une logique de jeu mobile, hein. Je vais pas vous insulter, mais... Cadeau dans le ciel, j'ai eu 5 pépites. Ça par contre, c'est stylé. Mais le fait de devoir attendre 24 heures, tu sais, pour avoir ta pépite, ça, c'est pas bon, hein. Attention, hein.
Mais ouais, après peut-être que je jouerai avec, en avançant le temps au bout d'un moment, j'en sais rien. On verra. Ok, je vais m'arrêter là. Et demain j'aurai des trucs à faire. J'arrive. Bien voilà. Ils m'ont dit pour sauvegarder, je fais moins. On fait une pause. Ouais. Perfect. Très chill ce live, merci. Ah, c'était bien. J'attends de voir si le rythme va un peu. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien. Si je joue, j'aime bien jouer longtemps des fois. Et le fait que le jeu m'arrête et que je dois juste attendre, ça. Pas sûr que ça me plaise, donc peut-être que je devrais modifier le temps. Y a moyen que je doive manuellement passer un autre jour pour m'amuser. Mais on va voir. On verra ça.